Arrive à l'attacher. Salut Nicrose. Ouf, j'ai eu peur d'être en retard. Non, c'est moi qui suis en retard. Comme d'hab. J'ai mis la boîte là avec la lumière. Salut Brise-Lance. Comment ça va chez vous? Je vous retrouve aujourd'hui avec une page blanche. Coucou chérie, chérie chou. Ça va. Écoute, ça va bien. Nickel. Je suis un peu à la bourre. Je voulais commencer plus tôt, mais ça me prend toujours plus de temps que prévu en fait de m'organiser avant le stream. Je sais pas. Faut que ça rentre un petit peu, que ça demande du temps un petit peu avant. Ça va, grosse flemme de bosser. Ah, tu bosses là? T'es en train de bosser? Du coup, moi, j'ai pas été appelée pour le boulot, donc ça va. J'ai un peu binge-watché une série là cet après-midi. Du coup, c'est un peu, enfin, c'est en partie pour ça que je commence un peu tard, mais pas que. Et du coup, ouais, je me retrouve avec une page blanche parce que j'ai pas encore décidé de ce que je faisais. Je pensais, j'étais partie pour faire un. Comment ça s'appelle? Et voilà, j'ai pas trouvé le mot. Un macareux. Les oiseaux, je sais pas si vous voyez ce que c'est comme oiseau. Donc j'étais partie pour ça, mais je suis pas sûre de moi, je sais pas, voilà. Éventuellement, si vous avez des idées, sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de trop me prendre la tête, j'ai pas envie de. Enfin, j'ai pas d'idée, donc j'ai envie de me baser sur un modèle, et puis voilà, y aller tranquillement. Peut-être sans croquis, quoique si je fais un macareux, non, je ferai quand même un croquis parce que ça va être galère. Mais voilà. Voilà. Donc, si vous avez d'autres idées, bah dites-moi. Aucune idée ce que c'est. Sérieusement? Tu sais pas? Attends, je vais essayer de te montrer. Comment je peux faire? Est-ce que je peux. Non, je sais plus comment on met une photo dedans. Macareux, c'est. Tu peux taper hein, sur Google, c'est un oiseau qui a un gros bec, qui est assez original. Macareux, tu nous en parles depuis plusieurs jours. Ouais, parce que j'ai une photo qui me plaît bien et j'adore cet oiseau. Et voilà, donc ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Sachant qu'aujourd'hui, je ne fais pas de crayon de couleur parce que. J'ai pas le papier, hein. On a vu hier que j'ai. Enfin. Alors le ski brise-lance, ça a été mon premier live. Ça a été mon premier dessin. Donc je vais pas refaire ça tout de suite. J'en ferai peut-être plus tard. Mais c'est vraiment le premier dessin que j'ai fait. Donc. Et sinon, si tu trouves pas, tu tapes Puffin en anglais. Pour voir la tête que ça. En fait, j'aurais aimé vous partager mon image. Et en fait, mon chat, il m'a installé une fenêtre pour mettre les images. Et j'arrive pas à retrouver comment on met. Dedans l'image, en fait, en gros. Donc, et oui, je suis sur ma source. Ah, je double-clique sur ma source. Ok, donc j'ai pas la bonne source, sachant que. Oui, d'accord. Ok. Ok, voilà. Décharger, ok. Non, je clique sur la petite. Et maintenant, je clique sur le petit œil. Voilà, ouais. Alors, sauf que ça, je vais la réduire un peu. Tu peux la mettre en grand Vous d'abord pour. avez, ouais, je vous la mets en grand d'abord, que vous voyez. Hello Générique. Comment ça va, Nikros, d'ailleurs, tu streams sur Mac. Non, non. Si tu veux voir mon setup, tu peux regarder sur Insta. J'ai posté une photo de mon setup en disant petit live bientôt et tout. Et en fait, j'ai un PC portable, mais c'est un PC de chez. J'ai oublié le nom. Lenovo. Qui est super bien. Et c'est mon chat qui l'a choisi. Hey, Genaïk, oui, une pub. T'as déjà l'affiliation. Oui, ça y est, j'ai l'affiliation. Désolée pour la pub, du coup. Voilà, donc vous avez vu le joli macareux. Donc je vous le réduis. Je le mets dans un petit coin, histoire que vous ayez une idée. Par contre, moi, je me mets l'image. Je me mets l'image d'un spi. Oh. Je me la mets à côté pour l'avoir un plus grand. Voilà, je m'organise un petit peu. Attends, de quoi j'ai raté ça? Ah oui, tu parlais de.
Tu parlais du husky, je pense. Après, tous mes lives, ils sont dispo en replay. Enfin, les vidéos sont toujours là, hein, donc si vous les regardez, juste survoler pour voir le résultat, ou bien sur mon sur mes comptes, enfin mon compte Insta dessin, il y a tous mes dessins postés, donc ils sont en bio. Il y a une commande, mais j'ai oublié, je crois que c'est Instagram, enfin je sais plus. Voilà, donc c'est parti. Du coup, je vais quand même faire un petit croquis. Pas désolé, il faut bien se rémunérer. Content pour toi, merci. On a installé ça ce week-end. Enfin, le week-end dernier, ouais, avec le chéri. Est-ce que j'ai mis tout ce que je voulais? Ouais, c'est bon. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai un bic qui traîne. Ça ne sert à rien. Je prends mon crayon. Je vais juste mettre de la crème sur les mains. Aucun rapport. J'ai les mains super sèches. J'ai oublié de le faire. D'habitude, je le fais avant mon live. Et voilà. On sent la relâche là. Ça va aller mieux là. Hop. Voilà. J'ai mon petit thé. D'ailleurs, j'ai sorti le spécial dédicace à Génaïque. J'ai sorti le cookie chauffant. Il est allumé. Il est ouf. Il est bien, bien, bien chaud. Du coup, comme ça, mon thé. Vous voyez pas. Mon thé est bien chaud. Voilà, le cookie, je le laisse à sa place quand même, parce que sinon je vais faire des bêtises. Un petit coup de thé. Ah ouais. Là, aujourd'hui, j'ai un thé. Je sais qu'il n'y a pas trop trop de fans de thé, mais j'ai un thé trop bon. C'est le thé de Bruxelles avec des morceaux de spéculoos et de nougat dedans. Et ben, il est bien. Il est très bien. Je le couvre en attendant, voilà. Ah oui, gros plan sur le tatou, oui, pardon. Oui, bah, entre autres, hein, parce que j'en ai un petit peu quelques-uns sur ce bras-là. Ouais, mais celui-là, en effet, c'est mon dernier en date. La petite. Voilà, ceux qui aiment bien les tatous. on s'égare, les amis. J'irai voir en tout cas le husky, mais je connaissais pas ce petit oiseau, ça m'a l'air bien sympa à voir. Ouais, c'est super mignon. Ça mange du poisson, tu peux en trouver en Irlande, en Écosse. Voilà. Génaïque, ton image d'inspi est superbe, hâte de voir comment tu vas nous éblouir. Ouh, j'espère. Éboulir d'ailleurs, tu as écrit. C'est très mignon. et ouais, du coup, en fait, ce que j'aime bien dans cette image, bah déjà, c'est la tête qu'il a, évidemment, parce que l'oiseau est super, mais j'aime bien. Cet aspect un peu flou qu'on a sur le devant avec des fleurs. Et du coup, là, pour le coup, j'aurais peut-être envie de réutiliser la technique du sel parce que je pense que ça peut s'y prêter. C'est quoi le tatou? C'est le transformateur de Sailor Moon? Non, je ne peux pas vous la mettre à l'envers. C'est une petite fiole magique, mais rien à voir avec Sailor Moon. C'est un flash. Je suis trop sérieuse dans mon t-shirt. C'est un flash d'une tatoueuse qui est devenue une copine d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Parce que moi, je suis ce genre de personne, je craque sur des tatouages flash. Je n'ai pas que des projets réfléchis qui veulent dire un milliard de trucs. J'ai aussi des flashs. Voilà. Hey, salut, Gozer! Comment ça va? Je suis tellement éboulie depuis une semaine que j'arrive plus à écrire le mot. J'adore. Ça marche. Du coup, j'ai sorti un crayon ou pas? Non, toujours pas. On y va. Parce que sinon je me lance pas et ça va durer des heures. Alors, est-ce qu'il est bien taillé? Oui, il est bien taillé. Je vais garder sensiblement la même compo parce que je trouve que c'est sympa. Je vais juste, je pense, j'allais dire le centrer un peu plus, mais mon format n'est pas équivalent à, n'est pas homothétique avec celui que j'ai. Il est plus long. Donc, au lieu de le commencer là, je vais le commencer là. Chose comme ça, la tête elle va aller jusque là à peu près. Là je pose juste la forme rapidos comme ça histoire de voilà. Là il y aura le truc, le bec il est assez gros quand même hein. D'ailleurs la forme n'est pas du tout celle-ci, mais je peaufinerai après. Le bec s'arrête là, le cou commence là. Je vais essayer quand même de pas me louper parce que c'est une tête quand même particulière. C'est-à-dire Flash, tu vas voir et tu lui dis ce que tu fais, ce que tu veux. Ou alors elle pose des idées de tatou. Non, un Flash, en fait, Nico, si tu connais pas,
C'est en fait le tatoueur qui, sur son temps libre, choisit de dessiner des trucs qui lui plaisent à lui. Et en fait, il appelle ça des flashs. Et en fait, le principe du flash, c'est que il les poste. Maintenant, ça se fait beaucoup sur Insta. Il poste donc ses propositions de flash sur. Attendez, je crois qu'on a un problème de mise au point. Il poste ses flashs sur les réseaux, genre Instagram par exemple. Et en fait, le premier arrivé, le premier servi, c'est-à-dire qu'en gros, tu dis, moi, je réserve ce flash. Et une fois qu'il est tatoué sur toi, bah, il va pas le tatouer sur quelqu'un d'autre. C'est un one shot en quelque sorte. Donc voilà le principe. Hello Nils, comment ça va? Hey, salut Sydney, comment tu vas? Voilà, donc le flash, en fait, c'est un dessin fait par le tatoueur. Un truc qu'il aime lui, en fait. C'est pas un tatouage fait à ta demande. J'ai l'impression que l'image est très mauvaise, c'est très bizarre. Est-ce que je suis sur le bon côté du papier? Oui. Donc voilà, et donc ouais, moi j'ai deux flashs. Ouais, j'ai deux flashs sur moi, dont donc celui-ci que j'aime beaucoup, petite fiole magique, voilà. Voilà. Si t'as d'autres questions hein, sur les tatous, je suis pas une experte, mais voilà, j'en ai quelques-uns. Alors, bah écoute, tout va bien, retour de Marseille. Ah oh! Et là, je vais faire une session podcast. Ok, bah ça bosse bien alors. C'est cool. Je sais pas pourquoi l'image est comme ça. Je pense que c'est peut-être ma lumière que j'ai mal positionnée. Et l'OBG, et le générique. J'adore les échanges. Du coup, voilà. Lui, je disais qu'il faut pas que je me plante sur la forme du cou. Je pense que j'ai déjà fait une erreur. Voilà. En fait, ça fait pas ça, ça fait ça. La largeur, elle est à peu près comme ça, oui. Donc je vais garder à peu près l'idée de la compo avec les fleurs devant hein, qui passeront et on va. Ouais, Sydney, c'est aquarelle aujourd'hui parce que tout simplement vous avez vu que hier il n'est pas raté, mais le papier n'était pas hyper pratique pour moi. Donc je vais en commander du papier pour crayon de couleur et en attendant je vais rester sur l'aquarelle. Après la dominante de la chaîne, ça reste aquarelle, mais voilà, on n'est pas à l'abri de tester d'autres trucs, mais pour l'instant c'est aquarelle. Et dès que je recevrai le papier, je pense que je ferai un autre sujet au crayon de couleur dont on avait parlé, donc éventuellement le Gremlins et lequel d'ailleurs? Il y en avait dit Falcor, Gremlins, le bébé des dinosaures. On a dit plusieurs trucs, mais voilà, il y avait plusieurs persos de notre enfance, donc je vais voir. Voilà, pour la forme du macareux, on est à peu près. Non, on n'est pas tout à fait bon. Je vous ai mis l'image d'Inspi. Comment je peux faire pour vous montrer ici? Je sais pas si je la laisse tout du long. On a dit tellement de choses. Ouais, on a dit trop de choses. J'ai une feuille où j'ai noté les trucs, mais j'ai peur de l'avoir j'ai peur de l'avoir jeté. J'ai fait du rangement dans mon bureau et donc j'ai fait une erreur sur la forme. C'est pas tout à fait rond. Ouais, c'est pas tout à fait rond. Des petites subtilités, mais ça change tout au final dans la forme de. Bah, dans la forme qu'il aura à la fin. Je vais essayer de pas trop appuyer quand même. D'ailleurs, non, là aussi, j'ai fait une erreur. Il n'est pas comme les autres oiseaux. Il a une jonction du bec qui est plus haute. Ouais, c'est très étonnant comme animal quand même. C'est vraiment une drôle de tête. Et alors après, c'est très rond, hein. C'est très très rond. Ça redescend. Et alors, j'ai trouvé là où le bec se. Bon dessin à toi, je file moult bisous et profitez bien, ça marche. Bon bisous. Ah, on a eu un message qui a été. Plus du long pour les gens qui arrivent plus tard. Oh! J'ai pas pu autoriser un message. Mince. J'ai voulu le. Non, non, j'ai vu, j'ai lu ton message, mais je sais pas. Ah bah voilà, il a été posté. De quoi attends? Oui, tout du long. Pour les gens qui. Oui, tu parlais de la photo. Oui. Ok, je la laisse. Ouais. Ouais, ça gêne pas trop. De toute façon, la feuille, elle reste là. Après, quand je bosse sur des grands formats, c'est plus embêtant, mais là, en l'occurrence, on s'en fiche. Ouais. En tout cas, ça va être plein de couleurs. Hein. Vous avez vu le bec? On dirait un faux animal en fait.
Et il a une espèce de... Alors ça, j'ai jamais trop compris, une espèce de petite poche là, un petit truc jaune, petite membrane, hop. Voilà. Pour ce genre de dessin, j'en ai pas, j'en ai plus, mais ça vaudrait le coup d'avoir un critérium sous la main, un crayon vraiment très fin. Le bot est anglais, du coup, quand il a des mots compliqués, bloqué un peu bizarre. Ok. Ouais, désolé, générique, pour le blocage. Bah voilà. Donc le bec, il va être en plusieurs parties. Donc il y a. Est-ce que je regarde? Oui, donc là, il y aura une partie blanche. Tout ça, ce sera blanc. En dessous, pas vraiment. Là, il y a une partie noire. Enfin, noire. Grise. Ensuite, on a du noir encore sur le bec. Une grosse partie comme ça. Voilà. Ensuite, re-du blanc. Et après, on a du rouge. Du rouge avec différents. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est du volume. J'aimerais trop le voir de très près, en fait, l'animal, pour comprendre vraiment comment il fait le bec. C'est pas évident. Donc, rouge. Un tout petit trait blanc. Encore du rouge plus foncé. Et après, on a des subtilités, je les ferai voilà, en regardant l'image. Pas de souci. Ensuite, le bas. Oui, j'ai fait une erreur aussi. C'est-à-dire que son bec, il arrive là, certes, mais là, il y a une erreur en fait. Voilà, là, ça continue. Et là, c'est la joue. Ici, c'est la joue. J'avais à peu près respecté la forme. Ici, il a un petit masque. Là, je vais essayer de respecter la forme. C'est remontant ici. Et voilà. Et ça redescend comme ça. Non, elle est pas bonne la forme. Voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Le pinceau. Où est le pinceau? Voilà. Ensuite, alors l'œil, là c'est le moment où vraiment je veux pas me planter parce que sinon il va avoir une tête méga bizarre. Déjà son œil est méga bizarre en soi. Donc, la pointe comme ça, la pointe par là, et ça fait une espèce de triangle mais légèrement arrondi, ce qui lui donne un petit air un peu triste, un petit peu comme les clowns. Vous savez, les clowns qui sont maquillés avec des triangles, en fait, je trouve qu'ils ressemblent à ça. Et alors là, c'est très bizarre, parce que faut vraiment que un jour je regarde, j'aille au muséum et que j'en garde un naturalisé, enfin en taxidermie, parce que vraiment, j'ai du mal à comprendre son œil. Mais en gros, il a juste une espèce de grosse pupille noire. Ouais, c'est ça, il a une grosse pupille noire au milieu de ce triangle-là, comme ça. Rond, c'est mieux. Très peu de reflets, il y aura un tout petit reflet sur le côté que je vais essayer de montrer quand même. Et en haut, c'est légèrement bleuté. Voilà. Donc là, on a la base. Hein, ça y est, on a la base de la bestiole. Je finis juste le petit masque qui, du coup, arrive un peu en dessous de la joue. Voilà. Et donc, ici, toute cette partie-là, on aura une zone un peu plus ombrée. Mais il faut quand même que je garde un tout petit peu de volume pour montrer que c'est la joue et que. Voilà. Donc, après, on devine que devant, il est blanc par ici. Mais dans ma compo, du coup, il y aura des fleurs, des formes. Voilà, je ne sais pas encore. Je vais vite fait un petit truc juste pour délimiter, en fait. Il y aura des fleurs, il y aura du vert. Et je pense que les fleurs, j'adore, moi, sur la photo, le côté flou. Donc, je pense que je vais essayer de garder ça. Et de garder aussi les teintes de bleu derrière, de ciel assez flou aussi. Les herbes, je sais pas trop si. Ouais, je pourrais faire des herbes comme ça par-dessus, mais il faut que je les dessine maintenant. Alors sinon, parce que. Sinon, je vais oublier. Voilà. On les fera pas à la fin. Parce que lui, on va le faire d'abord.
Voilà. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. C'est abstrait, les fleurs, là. Et un petit peu d'herbe, hop. Et je pense que ouais, le sel sera la bienvenue, le bienvenu. Hé, hey, salut Général DM. Il m'a fait de la pub sur Twitter. Enfin, il a retweeté mon tweet. Voilà. Donc, c'est bon. Bah, je vais attaquer sur... Alors, je commence par quoi? Je vais commencer par... Je vais commencer... Oh là là, mais il y a eu un raid. Oh là là, merci Arendelle. Il y a plein de gens qui arrivent. J'ai pas eu la notif, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu la notif du raid. Merci beaucoup Arendelle. Un raid sauvage apparaît. Salut tout le monde. Salut Foxy, salut Gaston. Salut Simki Christy, Lotus. Il y a trop de monde. Salut, comment vous allez, Vétise? Écoute, ça va nickel. Je me lance sur un petit... sur un petit macareux là, trop mignon. Donc je vous ai mis là le petit changement, c'est que je vous ai mis l'image de référence en haut. Et puis là du coup je vais attaquer la couleur. Oh merci pour les follow. J'ai eu 2 follow mais j'ai... Attendez, ça va trop vite. De quoi? Ouais ouais, j'ai tout lancé. Je sais pas pourquoi ça n'est pas apparu. Oui, on peut sub Gaston, merci. Merci Lotus. Je sais pas si j'ai remercié tout le monde parce que... Ouais, mais... ah oui, je l'ai affiché. Mais... Alors, oh là là, il y en a plein. Merci beaucoup. Merci Jules. Merci Lotus. Merci Christy. Merci Lidge51. Et oh, merci Arendelle pour ton sub. Merci beaucoup. J'arrive pas à suivre, ça va trop vite. Merci beaucoup. Oh, merci Gaston aussi. Je passais mon temps à dire merci. Merci, vous êtes au top. Ah bah ça y est, ça s'affiche. Trop bien. C'est trop bien. Regardez mon... Vous avez vu que c'est un petit dino qui fait de la trottinette. Merci Gaston. J'aime trop. Mais oui, je suis trop fan du dino. Je l'aime trop, je l'aime trop. Du coup, avec ça, je ne commence pas à peindre. Donc, merci beaucoup à tous. Il est apparu 2 fois celui-là. Voilà, j'attaque les couleurs. Je ne sais pas par quoi commencer. Ça marche, Brise-Lance. Je file pour ma part. Je repasserai plus tard. Gros bisous. Trop marrant le dino. Mais oui, je suis trop fan. Et en fait, j'ai pas. Alors, j'ai pas encore eu le temps de créer les emojis et tout ça. Je vais m'y mettre. Mais du coup, je pense que ce sera probablement du dino aussi, vu que grosse fan de dino ici. Voilà, donc je sais pas si ça vous dit, mais voilà. Dans l'idée, pour l'instant, c'est ça que j'ai retenu. Aujourd'hui, est-ce qu'on peint avec le stylo, le pinceau à réservoir d'eau? Ouais. Oh non, il a un problème. Ou est-ce que je peins avec mes pinceaux plus tradis? Je ne sais pas. Go la follow sur Insta, c'est trop pipou. Merci, Arendelle. Je crois que j'ai peut-être loupé un de messages. J'adore. Ah ouais, j'avais pas vu Gaston le sub pour 3 mois. Merci beaucoup. Oh là là, je l'ai mis hier et pinceau tradi. Ok Lotus, ça marche. Je vais essayer de réparer. Regardez ce que j'ai fait. Je l'ai mal fermé. Du coup, il y a des poils qui se sont... Ok, on va faire du tradi. Du coup, j'ai sorti l'eau. J'ai sorti les pinceaux. Aujourd'hui, je vais dessiner avec ces pinceaux du coup. Vous les avez tous là. Le plus gros, il sera uniquement, je pense, pour le fond. Et puis sinon, de base, je vais utiliser celui-ci. Que j'ai du mal... Non, ça va. Je l'ai un tout petit peu tordu, mais c'est pas grave. Je mets les autres de côté. Et je vais commencer par... Merci Vétis pour ton follow. J'avais pas vu, j'ai loupé trop de choses. J'avoue, ça rigole pas, il fait pas les choses à moitié. Je dis ça comme ça parce que c'est ce que je préfère, comme tu le sens. Après, bah, je suis pas à l'abri de si j'ai besoin de prendre l'autre, mais là, pour l'instant, on va commencer comme ça. C'est bien. Ok, c'est parti. Je commence par les ombres que j'utilise. Attendez, je mets l'eau ici. Ah, ça sera mieux. Je mets l'eau là.
Je vais commencer par les ombres avec du bleu. Donc les zones un peu plus sombres en fait, je les attaque avec un bleu. Bah, sur ma palette, là j'ai une bonne base. Je vais utiliser ce que j'avais pas gâché. Je vais utiliser ce que j'avais mis là. Ça c'est bien. Et on y va. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais faire une première. Je vais faire une première couche. Ouh, c'est super foncé. Il est où mon chiffon? Où est mon chiffon? J'ai perdu mon chiffon. Il était là il y a 30 secondes. J'ai perdu mon chiffon. Je vais faire une première couche de bleu. Là où ce sera en fait noir. Hein, parce que ça me fait un bleu de soutien qui va être bien utile par la suite. J'ai perdu mon chiffon. C'est vachement pratique. Il n'y en a aucun qui traîne à côté, évidemment. Quand j'en ai besoin, c'est super. Ah, j'ai trouvé. J'arrive. C'est bon. J'ai mon chiffon. Je l'avais préparé, je l'avais pas mis au bon endroit. Donc du coup, voilà. Là, c'est la couche de bleu qui sera sous le noir. Pas très organisée. Oui, je sais. Je sais, Foxy, ne me tape pas. Et pourtant, avant chaque stream, j'essaye de tout... de tout bien réunir, de me dire est-ce que j'ai pris ça, est-ce que j'ai pensé à ça, est-ce que j'ai prévu l'eau, est-ce que... Il y a toujours un truc, il y a toujours un truc qui manque, toujours. Là je vais laisser des petits blancs ici, j'aurais pu le faire au drawing gum mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc je fais des retenues de blanc là, ce sera des herbes en fait, comme vous voyez sur le dessin en fait il y a des herbes qui passent devant, donc je les laisse... Je les laisse en retenue de blanc, comme ça je pourrais venir les bosser après. Voilà. Ici, bah pareil, je vais essayer de garder quelques endroits blancs, mais pas partout. Juste pour qu'on puisse suggérer qu'il y a des herbes en fait qui passent devant. Et voilà, là j'atténue un peu parce que j'ai pas besoin d'être très foncé. Et hey, salut Freddy. N'écoute pas Foxy, c'est un vilain. Oh. Non mais c'est vrai en même temps. Y a pas tort. Et pourtant je fais des efforts. Hein. Alors là par contre la couche de. Alors c'est pas du bleu que je vais faire. Si je vais faire du bleu, mais très 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 pâle, beaucoup plus pâle. Je cherche. J'ai une feuille ici pour les couleurs. Alors, je vais la plier comme ça, elle est blanche. Voilà, là je vais juste faire des toutes petites ombres ici. Parce que il sera blanc évidemment, mais voilà, il y a quand même des zones qui vont être plus foncées. Donc le bleu là il me sert juste à faire un petit peu d'ombrage. En fait, c'est la seule zone où j'ai de l'ombre, en fait. Le reste, je vais pouvoir passer une espèce de gris. Et en fait, je vais remplir du coup bah, tout ce qui est bec. Tout ce qui est bec et autour de l'œil aussi. Alors là, non, je vais changer de pinceau. Prendre un tout petit peu plus petit, vu que je fais plus de détails. Ouais, ce sera mieux. Je suis pas à l'abri de prendre le pinceau réservoir d'eau. Tu vas également faire les fleurs en premier plan. Oui, Sydney, je vais faire les fleurs. Enfin, je vais pas faire exactement pareil, mais l'idée c'est que je vais faire des fleurs et je pense qu'on va remettre du sel dessus pour que ça fasse de jolis effets. Enfin voilà, que ce soit joli quoi. Mais ouais, c'est ce que j'ai aimé dans cette photo, c'était le mélange des couleurs en fait. Les fleurs, je les ai suggérées et je viendrai après les faire
Juste à la peinture, évidemment. Alors, là, ici, on a toute une partie au-dessus de l'œil. Voilà, légèrement gris. En dessous, pareil. C'est un peu plus foncé. Je pense que d'ailleurs, je vais peut-être faire tout de suite l'œil, comme ça, je suis tranquille et. Et le temps que ça sèche, je pourrais passer au bec qui est à sa droite, ce sera beaucoup plus pratique. L'encourage pas. Tu mérites pas. Voilà. Ok, donc je fais l'œil. Pour l'œil, je peux garder ça. Oui, je peux garder ça. Alors l'œil, je peux le faire. J'ai deux solutions en fait. Je peux le faire à l'encre ou je peux le faire carrément au stylo aussi. Ce que je fais en général quand j'ai des yeux à faire. Donc je sais pas ce que je fais. Je peux faire les deux, moi je vais le faire à l'encre. Et puis si c'est pas assez noir, je repasserai dessus avec de l'encre là, le stylo encre. Ce sera bien. Là j'ai quand même quelque chose d'assez noir, donc tout de suite ça va lui donner une tête plus sympa. N'y a pas des masses de reflets, c'est un œil assez étrange. Je sais pas si vous voyez dans la photo, mais c'est peut-être un peu petit. Mais on dirait que son œil c'est un bouton tout plat. Très bizarre. Comme bestiole. Je fais. Alors le bord de l'œil, je vais peut-être le faire au stylo pour le coup, parce que c'est tellement fin. J'ai peur de me louper là. Non, ça va. J'ai réussi. Je laisse un petit peu de blanc là pour le reflet. Voilà. Là, on est bon. Et voilà, là, je vais passer, du coup, je vais laisser sécher un petit peu. Il faudra que je passe la couche de rouge autour de l'œil. Lotus, c'est quel type d'oiseau ça? Ça ressemble à un type de manchot. Alors, c'est vrai que ça ressemble au niveau du corps, mais en fait, ça s'appelle un macareux. Si tu veux chercher dans Google, en fait, macareux, c'est un oiseau qui vit près de l'eau, qui vit en groupe, qui fait des espèces de terriers, en fait. Ça vit un peu en terrier, c'est super rigolo. Et ça a une démarche un peu mignonne, hein, je vous avoue. Et ça mange du poisson. Et on peut les trouver surtout en Irlande. Tu peux en trouver aussi en Écosse. Je sais qu'en. Alors je crois qu'en France, il y a un endroit où on peut en trouver. Mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Et voilà, je suis pas sûre de ce que je dis. Mais voilà, ils sont protégés. Et toutes les îles en général où on en trouve, sont des îles protégées. Sur lesquels les touristes ne peuvent pas aller sans restriction. C'est-à-dire qu'en gros, tu as X bateaux par jour qui peuvent aller faire un tour, mais il ne faut pas les déranger parce que c'est des oiseaux qui sont ils sont un peu fragiles et ils ont du mal à se reproduire. Et du coup, voilà, il faut. Oui, tu es allé voir, c'est tout dodu, tout chou. Mais oui, c'est adorable comme bestiole. Et du coup, en fait, je vais vous montrer le truc rigolo, c'est que je suis hyper fan des macareux. Mon coussin de chaise. C'est à l'envers. C'est des macareux. Voilà. Et j'adore cet oiseau depuis très 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 longtemps. Et je crois aussi qu'il y en a au. J'ai un doute, mais au Canada. Je crois qu'il y en a au Canada, quelque part, je sais plus où. Enfin voilà, vous pouvez en trouver un peu partout, pas partout, mais sur des petites îles comme ça. C'est adorable. C'est pas encore sec, du coup je vais rester sur le bec. Je vais faire la partie grise, l'espèce de partie grise là du bec, ici. Sachant que sur mon image vers le haut c'est un peu plus clair, donc je vais essayer de dégrader un petit peu. Et tout ce que j'ai mis là, les petits traits, c'est des réserves de blanc. Donc, normalement je laisse ça en blanc et à la fin j'y ajouterai un petit peu de rose parce qu'il y a légèrement du rose dedans, mais c'est ultra light. Ah, salut Studio Cyanotype. On en trouve encore un tout petit peu en France, aux 7 îles en Bretagne. Exactement. Oui, je suis là de loin. Bonjour. Merci de passer. En Gaspésie, peut-être, Sydney. Ouais, peut-être. C'est une espèce de paupière en triangle. C'est un peu étrange comme c'est fait. Enfin, je suis d'accord. Je crois que j'aime bien les animaux étranges en fait, mais ça a une drôle de tête quand même. Tout est bizarre chez cet oiseau. Voilà. En dessous aussi.
Ça change un peu parce que hier j'ai fait Stitch au crayon de couleur et là on est sur un macareux. J'aime bien, ça change tous les jours. Je vais garder un tout petit blanc ici pour qu'on mélange pas trop le haut et le bas du bec. Voilà. Du coup là je vais pouvoir faire le rouge dans l'œil parce que ça doit être sec. Non, c'est pas tout à fait sec. Alors, faut pas que je me fasse avoir parce que j'ai fait ça il y a 2 jours. Et exactement, Foxy, pardon, on dirait du maquillage. Et j'ai dit je trouve que ça ressemble un petit peu aux clowns qui sont maquillés avec les triangles ou David Bowie. Mais ouais. On dirait trop qu'il est maquillé, c'est vrai. C'est vraiment une tête bizarre. Là, je vais pouvoir faire donc du rouge sur le bec en attendant que mon œil sèche. Alors pour le rouge, je vais vous montrer.
Et en fait, ici, il faudra pas que j'oublie de faire le petit trait. Bah, je vais le faire maintenant. Le petit trait qu'il a en fait sur sur le coin de l'œil. Enfin, ça part pas de l'œil d'ailleurs, ça part du triangle de l'œil. Et c'est très bizarre. C'est très bizarre. On sait pas à quoi c'est dû. On dirait que c'est comme un pli en fait. C'est comme s'il avait un pli. Donc je fais pas un trait complètement droit. Voilà. C'est très très bizarre. Du coup, j'avais pas fini de faire le bleu en dessous. Mais c'est pas grave. Non, c'était voulu parce qu'il y a de la lumière. Donc là, je vais attaquer le noir, en fait, tout simplement. J'allais dire de son pelage, mais non, de son plumage, plutôt. Pour ça, je réfléchis à la couleur. Je vais quand même y mettre une touche de bleu dans le noir. Je le mets là sur ma palette en haut. Vous voyez pas très bien, mais je le prépare ici. Donc c'est une base de vrai noir et j'y ajoute une touche de bleu. Parce que j'aime pas travailler que avec du noir. Enfin, j'aime bien quand les noirs sont teintés comme les gris colorés et tout ça. Du coup, là je garde le gros pinceau hein, parce que c'est quand même une belle zone. Je pense que j'utiliserai à la fin le crayon, soit le crayon blanc, soit le feutre blanc, pour venir faire des toutes petites touches de lumière. Je pense que du coup, ce sera le crayon blanc. Notamment ici, il brille un petit peu sur la photo que j'ai avec le soleil. Donc, je viendrai en fait dessiner comme si les plumes étaient en relief et brillaient un petit peu. Et après, je pense qu'on fera d'abord le ciel et on finira par les herbes et les fleurs. Je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas, j'aime bien la couleur choisie. Je sais pas si vous voyez bien, c'est dommage, j'ai l'impression que l'éclairage est pas tip top. Est-ce que je peux faire mieux? Peut-être c'est mieux là. Foxy, c'est assez minutieux ce que tu fais, mais tu bosses vite. Merci. Je trouve pas que je bosse très vite. Ça dépend des moments. Ça dépend des fois. Mais ouais, en l'occurrence, là, c'est vrai que par rapport à d'autres trucs, c'est plus minutieux. Et d'autant plus que c'est un... Du coup, c'est un animal qui existe vraiment. Donc, je peux pas trop me permettre de faire n'importe quoi. Je prends pas trop de liberté, là, sur le sujet. Hein, c'est pas le but. Après, on a prévu de faire on en avait discuté avec certains l'autre jour. On avait prévu de faire des persos de dessins animés par exemple ou de films. On avait prévu de faire Gizmo et tout ça au crayon de couleur. Donc là, je pense que ça va être bien rigolo. Mais je l'ai pas fait hier. J'ai fait Stitch au crayon de couleur, mais en fait, le papier que j'ai était pas. J'ai que du papier aquarelle pour l'instant, donc c'était pas top top. C'est dommage, j'ai vraiment l'impression que l'éclairage est pas merveilleux. En fait, vous voyez pas trop la subtilité de la couleur que j'ai choisie. Vous voyez pas trop que c'est bleu. C'est vraiment dommage. Hop. Toute la partie devant, là, j'y ajouterai une espèce de couleur un petit peu plus chaude, en fait. Ah bah zut, j'ai oublié mon brin d'herbe. Voilà, c'est pas grave. J'ajouterai ouais, des couleurs un peu plus chaudes devant là, parce que l'éclairage arrive par la droite. C'est pas grave, le brin d'herbe, on corrige. Voilà.
manque un peu de lumière, mais c'est pas trop gênant. En fait, c'est parce que chez moi, il fait hyper sombre aujourd'hui, c'est pas de bol. Et du coup, j'arrive pas à voir mieux que ça. Pourtant, j'ai le ring light juste à côté, vraiment, juste au-dessus. Mais ouais, c'est pas top. Je sais pas pourquoi. Hier, c'était mieux. Là, ici, on aura des herbes, des fleurs. Donc, j'y vais un peu à l'arrache, comme ça, voilà. On a compris l'idée. Je viendrai faire ça après, par-dessus. Et donc, du coup, devant, j'avais dit que je ferais un peu plus des teintes chaudes. Donc, je prends un truc que j'avais déjà dans ma palette, là. Ici, là, cette teinte me paraît pas mal. Je pense qu'elle est pas assez foncée, mais c'est pas bien grave. Je vais la mixer un petit peu avec ce qui est à côté. Voilà. Hop. On dirait qu'il a le ventre blanc, mais en fait, mon dessin s'arrête là, donc je vais quand même... Enfin, pas mon dessin, ma photo, pardon. Du coup, je vais quand même laisser un petit peu de blanc juste devant, là. Voilà. Là, je rajouterai, j'ai dit que je ferais ça au crayon. Je vais refoncer le bec qui n'est pas du tout assez foncé par rapport à ce que je voulais faire. Donc, je reviens en mettre un petit peu. Et j'en mets un petit peu aussi en dessous. Je vais tracer un petit trait là pour marquer la délimitation entre le bec du haut, enfin la partie haute et la partie basse. Voilà. J'affine un petit peu la pointe du bec. Je vais repasser un tout petit peu aussi sur les yeux pour ajouter un petit peu de détails. Voilà, je vais venir ajouter avec un ton un peu clair des petits, le petit duvet en fait qu'il a. Alors c'est peut-être pas assez fin, mais si j'utilise la pointe de mon pinceau normalement, je devrais y arriver. Voilà. Je vais dessiner comme les petits poils pour donner du détail au petit duvet qu'il a en fait sur le visage. Voilà. En fait, ça, c'est le volume de la joue. Et en fait, j'avais posé le bleu en dessous pour marquer l'ombre. Et là, par-dessus, je viens mettre le petit duvet. Donc... Je marque un petit peu le pli ici. Voilà. On comprenne quand même qu'il est en volume cet oiseau. Voilà. Devant. Ok. Du coup, il me manque juste une partie sur le bec là, que j'ai pas faite. C'est le
espèce de orange. Ouais, orange rouge. C'est bizarre comme couleur. J'avais déjà mis le rouge, donc j'ajoute juste un petit peu le jaune orange. Voilà. Et j'avais dit ici aussi un peu de jaune. Je vous laisse, bonne soirée, bon stream, merci pour la découverte du macareux, ça marche, Foxy, bonne soirée, merci d'être venu. Je viendrai à la fin avec le crayon, comme je fais un peu tout le temps, pour tout ce qui est bec, un petit peu l'œil et les contours. Là, du coup, je passe au ciel. Je vais essayer d'y aller, je vais commencer par les bords, pas trop me paumer. Alors, on va rester sur un bleu. En revanche, ça aurait pu valoir le coup que je nettoie un tout petit peu ma palette. Je vais le faire là vite fait avec mon chiffon. Je prends le chiffon et tout simplement je vais le passer sur ma palette et nettoyer voilà, les deux cases là pour me libérer de la place pour le bleu. J'aurais pu le faire de l'autre côté. L'autre côté est propre, mais comme ça vous voyez, les couleurs que j'utilise. Bonjour Kirikoulou. Comment ça va? Alors, voilà, le pinceau est propre, tout est bon, on y va, pour un joli bleu. Je vais commencer par mouiller avec, du coup, quelque chose de très clair. En fait, c'est juste pour protéger les zones que je veux pas, toucher avec l'eau. C'est les zones réservées à l'herbe et les zones, évidemment, de l'oiseau. Donc là, je commence par... Si vous voulez, c'est comme faire le contour en fait. Ouais, c'est un peu un contour. Je protège là, ici ce sera des herbes. Donc je, voilà, je mets l'eau que là. Ça me permettra après de rajouter plus facilement la couleur. Ici il y aura des herbes, là aussi, voilà. Du coup... Là, j'ai fait le contour. Là, je reprends le gros pinceau. Je viens mettre de l'eau comme ça sur mon papier. Pour bien humidifier le papier. Hey, salut Marine! Comment vas-tu? Oh, j'ai failli mettre une grosse goutte d'eau sur sa tête. Parce que je regardais l'écran. Alors là, vous voyez pas, mais je fais attention parce que... Je ne veux pas trop que les deux se mélangent, l'oiseau et le ciel. Donc là, c'est juste de l'eau. Hein. Et il n'y a pas de pigment, je mets juste de l'eau. Et je vais venir ajouter les touches. Et est-ce qu'on met du sel dans le ciel ou pas? Aussi. Ou est-ce qu'on le garde juste pour les fleurs? Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas la technique du sel, ça chasse un peu le pigment et ça fait des petits effets étoilés assez jolis. Et donc ça, j'ai prévu de le faire sur le... sur l'herbe et les fleurs, mais on peut le faire aussi dans le ciel, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Voilà, là j'humidifie mon papier, je prépare en fait pour le pigment que je veux balancer, ça va joliment se mélanger. Il n'est pas encore assez mouillé ici, hop, j'en rajoute un peu. Là je fais grossièrement, voilà. J'essaie de voir à peu près où j'ai mis. Donc là, je vais venir ajouter carrément, directement, du bleu comme ça, par touche. Et puis, on va laisser le papier travailler tout seul. Mais dites-moi pour le sel. Ah, Sydney, je suis partante pour Team Sel. Ok. Moi, je la maîtrise pas encore bien, la technique du sel, parce que parfois, c'est... Parfois, j'attends trop. Là, par exemple, je vais essayer de voir pour le faire tout de suite. Quitte à le faire en plusieurs fois. Parce que à chaque fois j'attends trop et je vous montre. Je mets un peu de sel dans la main. Et hop. Voilà. Je mets du sel dessus. On verra. Il faut attendre un petit peu. Là, je vais venir remettre un petit peu de bleu sur mon papier. Qui est déjà quasiment sec. Quand même. Qui est quand même fou.
Alors, je n'ai pas scotché mon dessin, du coup, ça gondole un petit peu. Rien de dramatique, hein, mais voilà. Coucou, serait-ce Camille. Coucou, Andine. Toujours aussi précise et minutieuse dans les gestes. J'adore déjà. Ah, mais je savais pas que t'étais là. Je t'ai même pas vu arriver. Je marine, je rentre de balade, donc ça va, cool. T'étais avec le chien, du coup. Là, ce que j'ai fait tout à l'heure, là, de poser l'eau en fait avant m'aide beaucoup parce que ça m'évite de déborder là après. Ça guide en fait l'eau, donc le papier se souvient de l'eau et ça m'évite de déborder sur l'oiseau. Je vais essayer de pas trop mettre de foncé autour de sa tête pour quand même garder du contraste en fait. Donc je fonce pas trop autour de sa tête, au niveau du ciel. On n'a plus de musique, je viens de m'en rendre compte. Ah non, c'était juste en pause. Trop bizarre. Ok, c'est reparti. Donc, je vais remettre du sel, du coup, sur cette partie-là, mais... Ouais, je sais pas si je remets là, parce que... Bon, ouais, ça agit pas des masses, hein. On verra tout à l'heure. Je gère pas encore bien. Là, j'avais fait grossièrement des trucs qui dépassent pour les fleurs. On verra après comment on fait. Je vais remettre un petit peu de sel parce que je veux vraiment voir si ça marche. J'arrive pas à bien doser en fait. Ah, si, là, ça réagit mieux déjà. Je pense qu'on aura un truc sympa quand même en soi. J'en pose un peu histoire de. On verra bien. Si, ça réagit. C'est cool. Ça réagit. Merci Kirikoulou. Go essayer la technique du sel. Ouais, vous êtes tous partants pour le sel. Hop, là je continue. J'avais déjà mouillé le papier, donc je vais pas avoir de mal à mélanger les deux. Hein. Vous voyez, ça se regroupe facilement. Je laisse ici de la place pour les herbes. Hop, hop. Je le fais, voilà, je le fais un peu grossièrement, encore une fois. Je le fais pas exactement dans le même sens que sur la photo, mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Voilà. On va essayer de garder des petites subtilités. Ici, mon bleu, il n'est pas très joli. Je pense que j'avais pas bien nettoyé. Donc, je remets un peu de bleu ici. Il est un peu gris, mon bleu, en bas. Je sais pas pourquoi. J'en remets un petit chouille, comme ça, vite fait. Hop. Voilà. Nickel. De toute façon, il faut un bleu vraiment pur. Voilà. Oh, ça peut être pas mal, une grosse herbe, là, comme ça. Peut-être un peu trop grande, mais... Voilà, ça donne du mouvement, c'est pas mal. Hop. Je m'arrête ici pour le ciel parce que tout ce qui sera en dessous sera du coup de l'herbe et des fleurs. Là, moi j'aime bien que mes bords ils soient pas trop blancs. C'est bizarre sinon. Donc j'en rajoute un tout petit peu. Voilà. Je suis allée un peu trop au bord ici, c'est dommage. Je pourrais rajouter du blanc après. Je vais rajouter quand même une touche de. D'un autre bleu, un tout petit peu plus foncé. C'est light, je vous l'accorde. Très light, mais ça me permet de donner un petit peu de relief à ce ciel. J'y vais par touche, encore une fois. Et pareil ici, là, je vais assombrir un tout petit peu. Voilà. Là, ce sera les herbes, là aussi, mais j'y touche pas. Voilà. Après, je pourrais venir par-dessus en fait avec les herbes pour donner vraiment plus de puissance au premier plan. Hein. Mais voilà, je prévois, du coup, je prévois la place. Je sais à peu près où je vais. Si c'est quand même joli, regardez le sel. Je veux utiliser le sel sur les fleurs aussi, mais je réfléchis, hein. Je réfléchis comment travailler.
En fait, la question, c'est est-ce que je fais d'abord mes fleurs et après je fais l'herbe ou est-ce que je fais... Vous voyez, c'est plus logique que je fasse d'abord les fleurs. C'est des mélanges de couleurs, c'est beaucoup d'observations. Oui, bah c'est vrai que là, c'est une observation d'après photo, donc c'est toujours un peu moins bien que d'observer la réalité. Mais oui, on s'inspire de... On regarde bien et on essaie de retrouver des couleurs et d'en ajouter d'autres aussi. Hein. Moi, j'aime bien prendre un peu de liberté. Mon ciel, il n'est pas exactement comme sur la photo parce que sur la photo, il fait très réaliste. Moi, je veux quelque chose un peu plus magique. C'est pour ça que j'ai mis le sel et c'est pour ça que j'ai un bleu plus vif aussi. Donc, je vais commencer par les fleurs, je pense. Ce sera beaucoup plus simple. Ouais, je vais commencer par les fleurs. Du coup, les fleurs, c'est un rose violet, enfin plutôt rose, on va dire, très pâle. C'est hyper joli. Pour ça, il faut que je fasse des essais. Est-ce que je prendrais pas l'autre pinceau, là, le pinceau réservoir d'eau? Je ne sais pas. Donc ça, c'est la base de clair. Et il faudrait qu'en fait, dans cette base de clair, en fait, il faudrait que j'arrive à jeter de la couleur comme ça. Et après, il faudrait que j'arrive à faire comme ça, au milieu. Je sais pas si vous voyez. Et qu'après, j'y ajoute du sel. Faut aller assez vite, à mon avis. Et après, j'en ajouterai une touche au bord pour, voilà, qu'on comprenne que c'est une fleur. Vous voyez qu'en gros, là, on a une fleur. Donc, le seul souci, c'est que j'ai fait trop mon dessin très rapidement. Je n'ai pas délimité les fleurs. Donc, je vais les délimiter pour pouvoir au moins avoir, voilà, un petit contour et savoir où je les pose. J'en mets une là, une là, une là, une grosse ici, une encore plus grosse devant, donc premier plan. Ensuite, une petite là, ça ne se verra pas un crayon, mais c'est vraiment moi pour m'aider à bien. Ouais, elle se ressemble un peu trop celle-là. Et ce sera flou, hein, on ne sera pas dans quelque chose de traits contours et tout ça. Non, non, on sera vraiment dans le flou et c'est ça qui va être joli, j'espère. Voilà, j'ai à peu près fait les dessins de mes fleurs. Ici, ce sera de l'herbe. Ouais, j'en ajoute une grosse là, comme ça devant. Voilà. Allez, on y va. Du coup, je reprends le rose que j'ai préparé, qui est donc, comme je disais, assez pâle, hein. Et en fait, on va commencer par le milieu, comme ça, vous verrez bien. Donc je jette, j'adore dire je jette du rose comme ça, de manière assez transparente, hein. C'est assez light. Je vais aspirer un petit peu le surplus, pardon. Pourquoi mon pinceau il a l'air d'être sale au milieu? Bizarre. Et je vais y jeter une touche de rose au milieu, comme ça, elle va se répandre toute seule. Et j'en ajoute. Oh, je vais même pas en ajouter au bord en fait. Oh, je pourrais en mettre un petit peu là. Je vais changer de pinceau. Je pense que mon eau est plus assez propre et j'ai envie de passer au pinceau à réservoir. Ce sera plus simple pour moi. Comme ça, je suis sûre que l'eau est bien propre. Ce sera mieux. Voilà. Je vais réutiliser cette même technique pour à peu près toutes les fleurs. Ah non, j'ai oublié le sel. Attendez. La nana trop organisée, quoi. Voilà, on va voir, hein. On verra. On verra. Parce que je pense qu'il y a eu un problème de pinceau pas bien propre à la fin et j'ai appuyé et ça fait un truc pas beau. Donc je fais attention. Là, j'ai le beau pinceau. L'eau est propre. Je viens ajouter la touche de couleur au milieu que je laisse se répandre comme ça. Pareil sur le bord, léger. J'en rajoute un petit peu ici, voilà. Alors là, je respecte pas trop la forme des fleurs. J'ai fait un peu mes fleurs, on dirait des feuilles un peu en mode Hawaï. Mais du coup, j'aime bien. J'aime bien le résultat. Je vais en faire certaines plus violettes que d'autres. J'ai envie de m'amuser un peu là. Là, c'est le moment où j'ai envie de m'amuser. Donc, pareil, un petit peu de sel. Je pense que j'ai un peu trop attendu pour celle-là. Pas grave. Donc, celle-ci, elle est encore mouillée. C'est bon. Voilà.
Il y en a où je ferai pas les points, où je ferai juste une tâche floue. Je pense que le dessin va prendre un peu plus de sens une fois que j'aurai ajouté l'herbe. Rose, j'ai dû m'absenter, mais attends, t'excuses pas enfin. Tu bosses toujours? Viens de voir que j'avais un peu décentré mon dessin, j'en suis désolée. Je sais pas quoi faire de ces petits poils là qui dépassent. J'ai limite envie de les couper, j'arrive pas à les remettre droit. Pas pratique. C'est des crayons où il y a de l'aquarelle dedans. Non, non, c'est juste des stylos avec de l'eau en fait. L'aquarelle, elle est à côté de moi, là, à droite, à gauche. Ouh là là. C'est le. Et le chéri ne tape pas ravitailleur Maltesers. Alors en fait, j'ai oublié de manger les miens hier. Du coup, ils ont fondu tout à l'heure au soleil. Du coup, je les ai mis au frigo. Et du coup, voilà. Ça fait un amas de Maltesers. Et d'ailleurs, j'ai encore oublié mon thé. Oh là là. Heureusement que j'ai le cookie. Le cookie pour tenir le thé au chaud. Ce truc juste miraculeux, quoi. Là, je reviens sur les fleurs, sur la petite base un peu, ce qui est déjà fait. Et je reviens ajouter un petit peu plus de un peu plus de contraste à tout ça. C'est un petit peu pas l'eau. Le sel n'a pas été du tout n'a pas fait grand chose ici. Je pense que je m'y suis fait beaucoup trop mal. Donc je le ferai si j'ai envie de le faire sur l'herbe, mais franchement je suis même pas sûre. Là, je vais faire des petites touches comme ça de rose, légèrement, pour que ce soit un petit peu plus doux en fait et plus naturel au niveau de l'herbe en fait que je vais rajouter après, pour qu'on comprenne qu'il y en a d'autres en fait, mais qu'on ne les voit pas toutes bien. Toujours dans la suggestion. Hein. Voilà, j'en rajoute un petit peu là. Oula, je fais pareil ici. Ça me permet d'avoir un truc moins figé en fait. Un petit champ de fleurs. C'est dommage parce que la couleur ici n'est pas exactement celle que je voulais. Je vais revenir dessus, ça se fait pas trop, mais voilà. Hop, je reviens dessus. C'était un peu trop rouge à mon goût. Pareil ici, j'ajoute des petites touches de rose un petit peu transparent, mais c'est léger. Ça nous sert un peu de sous-couche pour l'herbe. Qui est.
un truc vraiment naturel. Le chéri peut pas tout faire, hein. Bah non, mais il fait déjà plein de trucs super, le chéri. J'avoue. Le chéri va faire la gueule. Voilà. Et là, je vais... Ouais, c'est bon, là. Oh, il y en avait une que je voulais faire, là, que j'ai oublié. Je vais la faire maintenant. Voilà. Voilà. Au niveau des couleurs, voilà, ça donne ça. Du coup, là, je vais passer... Je nettoie mon pinceau sur mon chiffon. Comme ça. Et je passe à l'herbe. L'herbe, il y aura plusieurs teintes. C'est juste qu'on a vu que le chéri... Que c'était un chéri de qualité. Oui! C'est un chéri de qualité. Et là, du coup, je vais aller faire donc de l'herbe. Un vert assez tendre. Et j'y ajouterai des tons plus foncés. Et j'y ajouterai enfin du jaune pour les parties qui sont un peu plus de l'herbe séchée. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ok. Du coup, comment je procède? Parce que, en gros... Attendez, j'ai un bug, j'ai perdu ma photo. Oh, j'ai pas besoin de ma photo. On va faire, de toute façon, c'est l'herbe, on va faire comme ça. En fait, je vais commencer par faire les... Oups, c'est très vert tout ça. Les herbes qui sortent ici, là. Mais pas partout. C'est-à-dire que je garde un petit peu de blanc. Et je vais, en fait, comment on dit Je vais pas tapoter, mais je vais hachurer presque, un petit peu comme ça. Pour que ça soit un rendu... On a un rendu un peu naturel. Après, je trouve que là, mon vert, il est trop vert tendre, justement. Donc, j'aimerais modifier ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, après, je vais venir entre les fleurs faire des taches. Ce sera assez humide, assez gorgé en eau. Hein. Mais en fait, plus on monte, plus on aura de la définition. Et plus on sera au bas, plus ce sera flou, tout simplement. Donc là, voilà, je laisse du blanc pour garder quand même l'idée de volume. Et de toute façon, comme je veux rajouter des couleurs dedans, donc un peu de jaune, un peu de vert plus sombre, il faut pas tout recouvrir les zones blanches. C'est voulu, j'en laisse exprès. Je vais me faire un coup de thé, parce que, en fait j'ai soif. Ça fait quand même 1h17. Donc le vert, je me fais le vert, vous le voyez pas, si, il est là. Je me suis fait un peu de vert là sur ma palette. Hop. Donc je viendrai, je ferai après. Je commence par tout le haut et je finirai par les taches entre les fleurs en fait. J'aurais pu attendre un petit peu plus. Parce que mes fleurs sont pas toutes sèches. Le problème, c'est quand on n'a pas de patience, on n'a pas de patience. Donc vous voyez que quand même je suis... Enfin, j'ai l'image d'un spi, mais je suis quand même sur une interprétation. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas copié-collé l'image parce que sinon j'aurais pas eu autant de fleurs que je le voulais et les teintes, j'aime bien les exagérer un petit peu. Donc voilà, vous voyez l'idée. Pour le bord, on n'est pas trop mal. Oups, ça s'est trop chargé en eau. Voilà, j'essaie d'avoir un rendu un peu naturel quand même au niveau de l'herbe. Que ce soit plus facile après de le fondre un peu dans ce que je vais faire en dessous après. Donc voilà, je me laisse vraiment des zones de blanc. Hein. Il faut qu'il reste du blanc de toute façon pour qu'il y ait de la lumière, sinon ça va être très terne. Donc là, je vais commencer à prendre un vert un tout petit peu plus foncé. Et je vais tapoter pour faire en fait la jonction avec ce qu'il y a en dessous, les plantes. Les fleurs, excusez-moi. En fait, là où j'ai des petits interstices de blanc, je tapote.
Et je pense qu'on comprend quand même que du coup, bah, les fleurs sortent de l'herbe. C'est l'idée que je veux donner. Sans y passer des plombes et sans dessiner chaque brin d'herbe. Évidemment, c'est ça l'idée. Hein. C'est de gagner du temps et d'avoir quelque chose d'assez expressif. De pas être dans le figé, quoi. Donc forcément un peu plus foncé parce qu'on est un peu entre les plans, donc il y a moins de lumière. Donc c'est voilà, plus clair, plus foncé, sachant qu'à la fin je rajouterai des, comme je vous ai dit, des touches de plus foncé sur les brins d'herbe aussi, il y en aura, et un peu de jaune pour les brins qui sont un petit peu brûlés par le soleil. Voilà. J'aime bien ce vert. Là je l'ai pris tel quel, le vert dans ma palette, il est même pas transformé ni rien, enfin je l'ai pas mélangé. J'aime beaucoup ce vert. Ouais, ça aurait pas. Le ciel, ça aurait pas été génial. Aujourd'hui, finalement, c'est mieux dans le ciel que sur les fleurs, par rapport à ce que je souhaitais faire aujourd'hui. Et vous, là, vous bossez encore? Tout le monde bosse ou vous êtes libéré de vos fonctions là pour à cette heure-ci, 18h? Ça bosse plus à 18h, non? J'espère pour vous. Alors vous voyez ici le vert, il s'est mélangé à ma pleure qui était hyper gorgée en eau, qui n'était pas sèche. Et en fait je trouve ça plutôt joli. Je trouve que le résultat est sympa. J'aime bien. Je viens de m'auto-libérer du boulot grosse flemme. Ah ouais. Je vois très bien. Tant que t'as pas quelqu'un derrière toi. Et des comptes à rendre et que tu peux gérer ton temps, effectivement. Quand on peut se permettre, il faut le faire. Et du coup, moi, je l'avais dit hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais re-avoir du boulot, en fait. Je ne sais pas encore quand, justement. Je vais re-avoir du boulot. Mon boss m'a appelé pour me dire qu'au mois de mars, et possiblement à partir de là, très vite, j'aurai du boulot. Donc du coup, je pourrais peut-être pas laver tous les jours. Sydney, terminez-moi. Ah, cool. Ouais, je crois que tu m'avais dit que c'était 16h30, Sydney, il me semble. Ouais, ça prend forme. Je pense que ce sera un live d'ailleurs moins long que les autres aujourd'hui. Je pense que... Sauf si ceux qui sont là, vous avez envie qu'on se lance sur autre chose, hein. Voilà, après je peux live je pense encore une heure, mais je vais essayer de pas faire 3 heures comme hier, parce que j'ai encore des petits trucs à faire. Là ça sert à rien ce que je fais là, je tapote, mais en fait je tapote mal. Hop, voilà, je rajoute du foncé, c'est un petit peu trop foncé là pour le coup. Hop, donc là tout le bas là, hop. En fait, là, je viens donner de la profondeur, quoi, au premier plan. Donc, je dessine carrément les brins d'herbe au premier plan, vous voyez. Je suis toujours plein d'idées. Est-ce qu'on ferait pas un début de crayonnage pour un projet aquarelle? Ouais, c'est vrai. C'est cool pour toi, le boulot. Merci, Sydney. Ouais, c'est cool. C'est cool parce qu'en ce moment, c'est pas la joie. Enfin, c'est pas la joie. J'ai pas du boulot H24. Loin de là, j'en ai pas toutes les semaines, et quand j'en ai, là, je vais en avoir pour trois semaines, peut-être même un mois, enfin voilà, donc c'est... Il y a un chat derrière. C'est cool, ça fait reprendre un rythme un peu plus, voilà, un peu plus normal, et puis avoir des collègues même à distance, parce que du coup, avec mes collègues... Du boulot, on se passe des petits coups de fil WhatsApp et tout, on se fait des petits moments un peu sympas. Du coup, ouais, bah, ouais, vous me dites, hein, jusqu'à quelle heure vous avez envie de... Enfin, jusqu'à quelle heure vous avez envie de rester et on voit. Parce que là, c'est vrai que si j'ai bientôt fini, ça fait
Ça fait 1h30, c'est pas très très long. C'est comme vous voulez. Là, je viens sur le côté, je fais un peu d'herbe par-dessus mes fleurs, voilà, hop. Ah, vous voyez pas ce que je fais en fait. De ce côté-là aussi. Oups. Là, c'est ce que je disais, c'est que je viens rajouter encore un peu de profondeur, mais aussi sur les brins d'herbe qui sont derrière. J'en ai un petit peu. En fait, les fleurs nous, finalement nous servent de fond presque, de base. Mais vous voyez que le vrai travail de précision, quelque part, il va être là, ce que je fais là. Donc l'herbe qui passe devant, c'est ça qui vient donner la dimension un peu plus réaliste, parce que les fleurs, je les ai vraiment floutées. Et là, je m'amuse avec les brins d'herbe. C'est plutôt cool. Ah, il y a du sel qui traîne encore. J'avais oublié. J'aurais pu l'enlever. Ma faute. Je vais y aller mollo parce que là c'est pareil, celle-là elle est toujours pas sèche, je vois que ça brille, donc on se calme. Je vais être un peu moins foncé. Voilà, par là. Ah, j'ai un petit creux, ça y est, c'est l'heure du Malteser. Ah mais regardez, je peux pas, ils sont tous accrochés, je peux même pas l'attraper. Ah, ça y est. Pardon pour le bruit. Sinon, la série que j'ai regardée, j'ai envie d'en parler, mais j'ai trouvé ça trop bien. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle comment déjà? The Undoing. C'est avec Nicole Kidman et Hugh Grant. C'est super bien. Je me suis maté ça en 2 jours. 6 épisodes. Si vous avez... alors, c'est vrai que je sais pas où la choper. Moi, j'ai Canal. Donc, j'ai pu la regarder grâce à Canal+. Mais trop, trop, trop bien. Vraiment trop bien. Et alors, Hugh Grant, comme vous ne l'avez jamais vu, hein. Vraiment. Allez, on le voit toujours dans des rôles de... J'allais dire de vieux beau, mais non. Le mec un peu, voilà, british, qui a du charme et tout. Là, là c'est autre chose. Marrant, j'ai pas du tout pris la même teinte de vert que sur mon image d'inspi. Là, j'ai pris un truc beaucoup plus froid, un vert beaucoup plus froid. Mais j'aime bien, j'aime bien ce vert là, il est vraiment, vraiment beau. Je pense que je vais venir le foncer, lui, le macareux, là, je vais venir le foncer un tout petit peu. Je trouve qu'il manque de contraste au niveau du pelage, enfin du pelage, n'importe quoi, du plumage, décidément. J'ai du mal. Je finis mes petites herbes, là, quand même, mais... Thank you.
Ouais, du coup, je vais garder ce pinceau-là, comme ça je me prends pas la tête. Je vais venir ajouter un tout petit peu de. Le noir, on arrive un peu à la fin. Ma palette là. Je voudrais quelque chose de plus, encore plus sombre et encore plus brillant au niveau de son plumage à lui. Du coup, je viens par-dessus avec quelque chose de très 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 foncé, enfin très très opaque pardon plutôt. Et en fait, alors là, je pense que vous le voyez pas bien. Je viens dessiner. C'est dommage que vous voyez pas. Attendez, je vais essayer de voir si je peux faire mieux. Je viens dessiner des petits poils en fait. De duvet, de plume, ce que vous voulez. Non, je pense que je pourrais malheureusement pas faire mieux que ça. Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf, désolé. Non, j'arrive pas à faire mieux que ça. Bon, bah, j'y vais. Et puis de toute façon, quand je prendrai la photo, je la prendrai demain parce que clairement là, il est en train de faire nuit chez moi. Je la prendrai demain et puis comme ça, vous verrez un peu plus les détails. Et je vais essayer maintenant de faire des close-up de mes dessins, enfin pas tous, mais ceux qui s'y prêtent, je pense que je ferai des close-up comme ça, vous verrez là où il y a un peu plus de travail, tout simplement, quoi. Il a déjà séché, lui, dis donc. Ah ouais, non, il a séché carrément. Hop. Ah, c'est dommage, vous voyez pas ce que je fais là, ça m'énerve. Il y a vraiment des jours. Je vais essayer d'allumer mon salon pour voir, on sait jamais. Ça arrive. Le chiffon. Hop, le micro. Il est là. C'est bon. Je pense que l'œil aussi, je vais venir y mettre du stylo. Bah, du stylo. Oui, du stylo, pardon. Parce que ouais, l'œil il manque un tout petit peu de profondeur. Le noir il n'est pas assez noir en fait, par rapport à ce que je veux. Hop. Voilà. Mais c'est dingue, il y a une fleur, elle est toujours pas sèche. Donc en fait, je peux pas passer ma main ici parce que c'est pas sec. C'est dingue. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je mets beaucoup trop d'eau. Donc là, ce qui va être joli, c'est que la couche finalement que j'avais en dessous va permettre d'apporter comme un espèce de reflet. Vous allez voir, normalement, vous allez voir. Même si la lumière est pas ouf, je pense que vous allez voir parce que plus je vais vers là où c'est clair. Vous voyez ou pas? Attendez, je vais vous faire un petit focus. C'est vraiment pas pratique ce focus là, je m'en sors pas. Je sais pas comment je pourrais paramétrer pour que ce soit plus instinctif. Pourtant là, il est en autofocus, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc là, vous voyez les petits voilà, les petits détails. Faut que je vire le sel après, hein, mais. Voilà, on refait la mise au point. Alors, salut Justinia. Coucou, je viens de tomber sur ton stream. Je trouve ta peinture très mignonne. Est-ce que tu as utilisé beaucoup de techniques complexes ou tu crois qu'un débutant arriverait à faire quelque chose d'équivalent? J'ai pas utilisé de techniques complexes. Je peux te faire un petit résumé de ce que j'ai fait. La seule chose qui est pour moi la plus difficile, c'est de correctement dessiner en fait ton sujet. Donc à savoir ici l'oiseau, les bonnes proportions, voilà, les bonnes couleurs, mais c'est assez facile à faire. Après ici, dans le ciel, j'ai commencé par mettre de l'eau, j'ai ajouté du pigment
Très simplement, comme ça, avec mon pinceau, j'ai tapoté avec du pigment. Et par-dessus, tu peux le voir, j'ai rajouté du sel. Et en fait, le sel, je l'enlève pas parce que c'est pas sec. Le sel permet d'obtenir ces jolis effets que tu vois ici, là. Donc, tu prends ton sel comme ça, hein, normal, tu balances dessus. Et puis après, les fleurs, j'ai fait des taches roses assez diluées, dans lesquelles je suis venue ajouter, pareil, des touches de pigments. Et là, je suis en train de dessiner des petits, comme des petits, pas des poils, mais comme les plumes de l'oiseau, là. Donc voilà, rien de très compliqué. Après, je ne connais pas ton niveau et tout, mais oui, pour un débutant, c'est faisable. Il n'y a rien de très difficile. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors attends, Ciné demandait à Nicro si tu dessines toi. Est-ce que faire des bonhommes bâtons, ça compte? Oui, c'est la créativité qui compte. Oh, j'aime trop. Ah, merci Lotus. Je sais faire les cadeaux de Noël en forme de cube. Quoi? Comment ça, les cadeaux de Noël en forme de cube, c'est quoi? Et les maisons? Ah oui, d'accord, les cadeaux. Oui, tu sais faire la perspective, quoi. Perspective cavalière et tout ça. Ma maîtresse en CP a dit une fois que j'avais fait une belle maison. Oh, c'est mignon. Chapeau l'artiste. Oui, merci beaucoup. Bah, en tout cas, si jamais c'est ton cas, Justinia, et que tu débutes, c'est pas encore. J'en ai pas encore fait, mais ici, avec certaines personnes qui me suivent sur le stream, on va mettre en place peut-être des petits ateliers un peu en mode tuto, justement pour essayer des techniques assez simples. Merci pour ton follow, Justinia, la petite étoile qui danse. Du coup, si ça t'intéresse, voilà, je communiquerai là-dessus, mais j'essaierai de mettre ça en place. Mais voilà, dans l'idée, j'aimerais bien vous montrer sur des trucs un peu plus simples. On avait parlé du thème galaxie, je pense que il faut vraiment que je mette ça en place de manière organisée, que je prévoie que les gens soient dispo, etc. Mais voilà, si ça te tente, on peut faire des petits ateliers de tuto un peu débutant, quoi. Pour les techniques, pour tester les techniques, pas justement dans le dessin, parce que le dessin. Je pense que oh, le dessin, c'est mieux pour vous d'apprendre. Enfin, ceux qui sont débutants, c'est mieux d'apprendre en observant. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis m'insurger, ma chère Rafa, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peur. Lidge, merci pour ce moment passé en ta compagnie. Très agréable et très intéressant. Je reviendrai, c'est sûr. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci pour ton retour. Voilà, là je suis un peu embêtée parce qu'il y a des taches, des endroits un peu mouillés un peu partout. Je peux pas faire grand chose, du coup je vais juste passer une couche d'encre sur l'œil là, rapido. Mon stylo il arrive un peu en fin de vie, j'ai l'impression, dis donc. Ouais, et c'est le moment où je vais mettre un peu de crayon. Parce que, en fait, là, ce que je veux faire est beaucoup trop fin et l'aquarelle, ça va être galère. Alors, par contre, oui, tu disais quoi? Tu n'as pas rajouté la possibilité de se faire un chocolat chaud dans le message de follow. Ah oui, c'est vrai. Il faut que je retrouve où c'est. Je vais le faire. Promis. Promis, Necros, je le fais. Tu sais que gosse, j'adorais jouer avec Paint. C'est vrai? Est-ce que j'ai lu tous les trucs? Oui, c'est bon. Donc ouais, je disais crayon, donc là c'est le moment que j'aime bien où je sors mes petits polychromos. J'en prends un qui est taillé correctement. Il est pas génial. Où est mon taille-crayon? On m'apporte mon taille-crayon, il est là. Parfait. Regardez-moi ce crayon-là. Magnifique. Donc là, je vais juste ajouter quelques petits détails sur lui en fait. Parce que j'avais commencé à le faire avec l'aquarelle, mais en fait, ça ne me convenait pas. Donc ici, le petit duvet là, de son creux. Je pense que c'est un creux ici. C'est très bizarre. On dirait vraiment un trait d'eyeliner. Là, j'ai plus la photo de base, mais je fais à mon idée. Hein. Écoutez, je vais juste faire des tout petits ici, tout petits poils. Hop. Voilà.
Je crois qu'on approche quand même du séchage. Ça commence à être presque bon. Ici, il y avait des petits détails sur l'espèce de membrane. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y avait des petits volumes là-dessus. Donc, je passe dessus. Je fais un petit peu des petits points comme ça pour donner un peu de texture parce que c'est pas tout plat. Est-ce que la mise au point est bonne? Oui, ça m'a l'air bon. Je rajoute un petit peu de sens du poil ici. Voilà. Et ici, pareil. Donc là, en fait, ce que j'avais commencé à faire au niveau du plumage, pour faire un petit peu de brillance, bah, je le continue au crayon. Je pense que vous voyez quand même un peu la texture là, que j'essaie de donner, de rendre. Donc le côté un petit peu brillant. Enfin, j'essaye, hein, mais... on va voir à la fin, mais bon, je pense que c'est quand même, ça rend le truc plus vivant que d'avoir juste un aplat comme ça de couleur. Voilà, j'en fais pas trop, mais je le mets quand même. Voilà, ici je fonce un peu parce qu'il y avait de l'herbe. Voilà. Le bec aussi, hein. Je rajoute un peu plus de sombre sous le bec. Il y a pas mal de volume en fait sur le bec. Hop. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas évolué dans le dessin, on est mal parti, je pense. Oh, bah. Ah, vous voulez dire que il faut avoir été sur peine pour être bloqué dans le dessin? J'ai pas fait trop de peine, cela dit. Faire comme ça. Ici, je veux que ça reste clair, donc j'y touche pas. Voilà. Je rajoute un peu de volume sur le bec aussi, voilà. Waouh, c'est magnifique. Et ça en moins de 2 heures, je trouve ça fou. Je suis pas un expert. Merci Davido. Ouais, c'est vrai que celui-là, bah, après c'est un petit format. Enfin, c'est un petit format, on est sur du A5. Donc voilà, par rapport à la taille de la main. Je pense que ça vous paraît peut-être gros à l'écran, mais en fait c'est petit. Enfin, j'ai une petite main, mais c'est quand même petit. Ah bah cette fois j'ai ma bague, regardez. Et voilà. On va dire ça, sinon on va dire ça, mais je suis sûre que Rafa arrivera à faire des trucs top sur Paint. Je sais pas. En tout cas, je sais qu'on va essayer de s'organiser un Gartic Phone bientôt. Parce que ça a l'air... J'ai joué une fois et c'était trop rigolo. J'ai bien envie de jouer. Justinia, merci d'avoir répondu à ma question. Du coup, oui, ça me plairait d'avoir des tutos sur des techniques. Je suis très débutante perso. Et Justinia, est-ce que tu as un peu de matériel avec toi? Est-ce que tu as... Attendez, je me rends compte que je suis dans le noir, là. Est-ce que tu as une palette ou des couleurs? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est bizarre, il y a un point blanc. Ou des couleurs, enfin, est-ce que tu as des pinceaux? Est-ce que tu as un peu de matériel avec toi, en fait? Est-ce que tu as déjà ça ou est-ce que tu as besoin de recommandations sur du matériel? Mais oui, je vais faire ça dans ma to-do list pour Nicrose. Rajouter le chocolat chaud dans mon message d'arrivée. Bosser sur les emojis d'abonnés, tout ça, parce que là j'ai rien. Et en plus j'ai plein de gens qui se sont abonnés, j'ai trop. Et j'ai ça. Et j'ai préparé des tutos, sachant que je pourrais pas en faire à chaque fois, évidemment. Mais voilà, dans l'idée, si je peux en faire un par mois ou deux par mois, voilà, ça peut être sympa. Faut que les intéressés soient dispo et tout ça, enfin, qu'on s'arrange. Voilà. Je n'ai pas encore de matériel, non, je viens de déménager. Ah oui, d'accord, donc je dois racheter des choses. Alors oui, tu as des recommandations, je suis preneuse. Alors,
Je ne sais pas où tu habites, ni ce que tu as comme possibilité en termes de magasin. Après, moi, ce que je peux te conseiller pour débuter, attends, je vais regarder si je l'ai sous la main. Ouais. Je l'ai sous la main. Alors, désolée pour les bruits. Si tu commences en aquarelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas celle-là que je voulais montrer. Une petite palette comme ça. Alors, en l'occurrence, celle-ci, donc tu vois, ça brille. C'est Winsor & Newton, la marque. Et dedans, tu as... Tu as 12, c'est ça? Oui. Tu as 12 couleurs. Alors là, ma palette est un peu dégueu, donc ça, c'est pas très ragoûtant, mais tu as tout ce qu'il te faut. Tu as 2 verts, 2 bleus, un rouge, un espèce de beige, 2 jaunes, un marron, un noir, un blanc. Alors le blanc ne sert à rien. Enfin, le blanc dans l'aquarelle, hein, franchement, ça ne sert à rien. On ne sait pas trop pourquoi il est là, parce que le blanc, c'est le papier. Et c'est éventuellement, et c'est par ça qu'on va finir ce dessin d'ailleurs, ça peut être des touches de crayon par-dessus là, comme ça, regardez comme c'est joli. Ou ça peut être des touches de feutre, je vous montre également l'exemple, par-dessus comme ça, ou ça peut être de l'acrylique ou de l'encre, voilà. Mais le blanc ne sert à rien. Mais en tout cas, tout ça pour dire, Justinia, pour toi qui cherches, que si tu peux te trouver, peut-être en ligne tu peux la trouver, une petite palette comme ça, je pense que tu en as pour 12 euros, 10 euros, pas cher. Winsor & Newton, la mienne, mais j'en ai une autre aussi de la marque Dallaire-Rohné. Alors je ne sais pas ce que c'est que cette marque, honnêtement je ne me souviens pas, il y a le même nombre de couleurs dedans. Il y a un pinceau, honnêtement, le pinceau qui fournit avec ne sert pas à grand chose, il est très petit et pas très très intéressant je trouve. Donc moi ce que je te conseille, c'est pour commencer tu t'achètes une petite palette comme ça, je pense que tu en as pour pas plus de... Je pense que tu n'en as pas plus de 10... Franchement, 12 euros. Moi, je l'avais payé 12 euros là. À moins qu'il y ait une inflation de malade. Voilà, cette petite palette te permettra d'aller faire plein de trucs. J'ai commencé avec une palette comme ça et ça m'a duré plusieurs années d'études. Sachant que je ne faisais pas de l'aquarelle tous les jours, évidemment. Et mon autre reco pour toi, et même un seul peut te suffire, c'est d'avoir un pinceau. Je te montre. Exactement comme celui avec lequel je suis en train de travailler. Donc, un pinceau à réservoir d'eau. Tu tapes pinceau réservoir, je pense, tu peux trouver en ligne aussi. Il n'y a pas de marque, ils sont tous à peu près pareils. Moi j'en ai plusieurs, tu as plusieurs tailles de pointe. Alors parfois il y a un pack avec une pointe fine, une pointe épaisse, là tu vois c'est une pointe épaisse. Donc le pack est pas mal parce que ça te permet d'avoir deux ou trois pinceaux et d'être à l'aise et de voir ce qui te... Voilà, t'as du choix et de voir ce qui te convient le mieux. Moi, honnêtement, j'utilise tout le temps le même. Dommage, je l'ai flingué, je l'ai mal fermé. Et du coup, il y a des poils là qui sont rebelles. Mais les pinceaux, t'en as pour... Pareil, le pack de 3, je pense que t'en as pour moins de 10 euros. Donc en fait, à 20 euros, tu peux t'équiper sans problème. Et moi, alors dans mes accessoires, alors j'ai évidemment un crayon pour dessiner... Un crayon de papier, là, il est bouffé par le chat, donc c'est moche. Mais un crayon de papier. J'ai un petit Staedtler en 0.2 comme ça pour me faire les trucs précis, genre les yeux ou les traits. Et un petit chiffon, hein, tu prends un chiffon de chez toi, n'importe quoi. Voilà, et là tu es équipé et tu peux faire des trucs vraiment... tu peux faire la même chose que ça avec ce matos-là. Donc concrètement, voilà. Génaïque, oh c'est joli, je suis éboulie. Merci Génaïque. Waouh, Aquafine, j'ai presque la même. Ah, oui, la petite. Et alors moi, en l'occurrence, du coup, alors, je vous ai montré les petites, là, c'est pour ceux qui sont débutants et qui n'ont pas envie de mettre une blinde, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre une blinde hein, pour du matériel. Moi, par contre, je me suis fait offrir à Noël, à mon anniv, je crois, une... Attendez, je vais monter un petit peu la caméra pour que vous montrez un peu mieux mon matériel. Toujours ce problème de mise au point, merveilleux. Voilà. Donc, moi, la palette, je mets le dessin de côté 5 minutes. La palette que j'ai, c'est une Sennelier, donc il y a quand même beaucoup plus de couleurs. Mais franchement, ça n'est pas un indispensable, sachant que moi, l'aquarelle, j'en fais depuis plus de 10 ans. Et j'ai eu cette palette il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà, donc t'as pas besoin d'une palette comme ça. C'est vraiment si t'as envie de mettre un peu plus de moyens. C'est une palette Sennelier, ça se présente comme ça, tu vois, par rapport aux mains. C'est pas très grand non plus, hein, mais voilà, t'as quand même deux surfaces de palette. Et les couleurs sont... c'est une super marque, super pigment, c'est très bien. Et moi, le bonus, je l'ai pas utilisé aujourd'hui, le bonus, c'est cette palette
Paul Rubens, qui est une palette irisée avec des pigments. Alors, j'ai pas tout ouvert encore, mais voilà, les pigments sont irisés. Ça vous permet de donner des effets de brillance. Et c'est super canon. C'est kitsch, hein, je vous l'accorde, mais franchement, ça me permet de faire des effets sympas. Notamment, je l'ai utilisé pour tout ce qui est animaux marins. J'ai fait deux dessins, un dauphin, une orque. Vous pouvez les voir sur mon Instagram qui est en bio. Rafa Aquarelle, donc le même nom que vous voyez sur mon overlay. Et du coup, ça me permet de faire des brillances, voilà, très très sympas. Désolée pour les bruits. Donc voilà, ça c'est ceux qui veulent se faire un peu plaisir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le sel. Est-ce que c'est sec? Oui, j'ai enlevé les cristaux de sel que j'ai mis. Et on va se retrouver avec les... J'arrive à l'enlever là? Oui. On se retrouve avec les jolis effets. Voilà. Alors, attends, c'est... Tout est noté, merci beaucoup. Je pense aller voir du côté de ma papeterie de quartier. Ouais, tu peux leur demander. Après, voilà, si tu trouves pas, regarde en ligne. Mais effectivement, si jamais tu peux avoir ça en local, c'est toujours mieux. Moi aussi, je vais acheter du matériel aquarelle. Tu m'as trop donné envie de tester. Et pour participer au live tuto. Ah, c'est cool, Sydney. Ce serait cool que tu fasses avec nous. Ouais, je... Voilà, si vous avez d'autres questions sur le matériel, n'hésitez pas. Mais voilà, après... On peut commencer vraiment avec du basique et on n'est pas obligé de mettre de l'argent. Il ne faut pas se faire avoir trop en pensant qu'il faut mettre des thunes beaucoup pour dessiner. Non, c'est pas... Lotus, ah oui, je rêve trop de l'avoir celle-là, mais je ne suis pas au point niveau aquarelle, donc j'attends. J'ai pareil que toi, je l'ai eu, je te dis, je l'ai eu... Je l'ai eu, je crois, l'an dernier. Hein. Non, je l'ai peut-être eu il y a 2 ans. En tout cas, voilà, j'ai fait 10 ans d'aquarelle avec des toutes petites palettes. Qui sont pratiques quand vous voyagez et si vous voulez faire du dessin d'observation là qui commence à faire un peu plus beau, vous pouvez sortir avec, vous avez votre pinceau à réservoir, vous avez ça, un carnet, même un petit carnet hein, pour l'aquarelle, vous pouvez avoir des petits carnets. Franchement, c'est hyper bien parce que du coup, vous dessinez d'après nature, enfin d'après modèle. Et franchement, les couleurs sont jolies, hein. Elles sont lumineuses. Voilà. Après, voilà, moi, c'est Winsor & Newton. Je ne connais pas les équivalences d'autres marques. Je parle de ce que je connais. Voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Ah, on approche des 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce que je commence un petit crayonné? Je sais pas trop. C'est vrai que j'ai commencé un petit peu tard, mais... Je sais pas. Faut que je demande au chéri, d'ailleurs, s'il a besoin que je laisse la place. Alors, tiens, idée la con du soir du Nicrose. J'adore, déjà ça commence bien. Dans le message de follow qui apparaît à l'écran, au lieu du message de base, tu pourrais faire un truc du genre Nicrose est totalement ébouli. Mais non. Ah, tu veux dire carrément... Ouais, le message de follow, genre quand quelqu'un follow, quoi. Genre, la personne, machin, est totalement ébouli. Ébouli. Je sais pas d'où vous sortez ça. Oh, c'est trop mignon, ça. Je viens de voir que j'avais des... Oh, regardez ça. C'est trop mignon. Ouais, il faut que je bosse sur mes emojis, là. Vraiment, 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 vraiment. Il y a encore du sel sur ce truc, mais c'est pas possible. Ça a cristallisé dans le... C'est dingue. C'est pas que j'ai le bureau tout sale, après. Je ne comprends pas. Est-ce que j'avais fini d'ailleurs parce qu'on était en train de discuter? Non, j'avais pas fini. J'étais en train de vous dire que je rajoutais un peu de crayon blanc. Vous le voyez, c'est ici là, les petits traits. C'est du crayon blanc. Et c'est trop chouette. Parce que quand vous avez du coup un papier noir ou du coup de l'aquarelle noire comme ça, vous pouvez ajouter des effets de brillance quoi par-dessus. Alors là, pour le coup, j'ai pas ce que je veux. Je vais le faire avec le feutre. Vous pouvez ajouter des petits effets de brillance. C'est pour ça que le blanc de l'aquarelle ne sert à rien, parce que ça, vous pouvez pas le faire avec de l'aquarelle. Il faut quelque chose de plus épais, enfin de moins transparent, en fait, tout simplement. Ça vous permet aussi d'ajouter des touches de lumière. Là, par exemple, sur le bec, si j'ai envie de mettre une pointe de reflet, bah voilà, je le fais aisément. Idem pour l'œil, si j'ai envie de rajouter une pointe de... Voilà, j'ai rajouté un petit trait blanc, je trouve que ça lui donne plus d'expression. Ça se joue à pas grand chose hein, pour les yeux, souvent les histoires de reflets, c'est vraiment
un petit point par ici, un petit point par là, et ça vous donne tout de suite plus de reflets. Là, je vais rajouter un tout petit peu de crayon aussi. Et j'aurais même envie de rajouter du crayon dans l'herbe, mais je crois que je n'ai pas de polychromos vert. Non, j'ai du bleu, du rose, du sépia, du marron, du doré, j'ai du doré. Ouais, j'ai même du doré, regardez-moi ça. C'est beau, hein. Mais du coup, là, il ne me sert à rien. J'aurais pu... ouais, pour l'herbe, non, ça rend pas. C'est pas utile pour aujourd'hui. J'ai pas ajouté de jaune d'ailleurs dans mon herbe, elle me dit que je le faisais. L'aquarelle blanche, j'utilise pour faire des mélanges, pour avoir des couleurs plus pastel, c'est bon. Oui, effectivement, oui. Mais après, oui, c'est vrai que c'est... Ouais, moi je fais jamais ça, mais oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que l'aquarelle blanche ne te permet pas de couvrir des zones que tu voudrais blanches par-dessus ta couleur. Si là, par exemple, je voulais vraiment ajouter des zones blanches, c'est beaucoup moins bien, je trouve, que d'avoir du crayon, là. Comme ça, pour venir faire des petits reflets et d'avoir la précision. Voilà, moi je trouve que... Enfin, je m'en suis jamais servie dans la... Et d'ailleurs, c'est pour ça, en général, qu'on n'en retrouve pas... l'aquarelle blanche, on n'en trouve pas dans les palettes Sennelier. Ouh, j'ai mis les doigts dedans. On n'en trouve pas dans les belles palettes comme ça, Sennelier, parce que ça ne se fait pas trop, quoi. En général, c'est vrai que quand moi je veux quelque chose de pastel, bah juste je mets moins de couleurs et je laisse l'eau en fait travailler. Mais effectivement, si tu as envie de mélange un peu comme ça, un peu plus opaque et pastel, pourquoi pas. Le crayon doré. Oui, attends, je vais vous montrer. Je sens que vous êtes comme moi, vous aimez bien les démos de matos. Je vais vous montrer juste les polychromos pour ceux qui n'étaient pas là. Hop. Ce que j'ai en couleur, je vous les mets. Voilà. J'ai ça. Les polychromos, ça permet de bien travailler par-dessus l'aquarelle si vous avez envie. Mon éclairage est tout dégueu. Ils sont trop bien. J'ai une grosse consommation de polychromos noir, comme vous pouvez le voir. C'est les Dalton le truc. voilà, j'en ai toujours avec moi, c'est ce qui me sert le plus dans le dessin et j'adore le rendu du polychromos parce qu'avec le polychromos, vous pouvez avoir quelque chose de très léger et en même temps, vous pouvez avoir quelque chose de dense comme ça, de gras, de noir. Et du coup, si vous dessinez n'importe quoi, en fait, là par exemple, je fais un œil là, vite fait, vous dessinez votre œil, vous dites, ah bah je vais avoir mes cils machin, je vais avoir la pupille, je vais y aller mollo comme ça, et d'un coup vous allez venir faire du noir comme ça et vous allez avoir quelque chose de super super dense, un peu gras mais qui ne bave pas en fait, et ça c'est un peu la folie parce que sur un crayon comme ça de pas baver, moi j'aime pas en fait tout ce qui est les crayons 2B, 4B, tout ça, les crayons très gras parce qu'en fait je m'en fous partout et je trouve que c'est très dur à maîtriser en fait. Ces crayons-là, j'ai beaucoup de mal parce que à chaque fois, voilà, je passe la main et ça me laisse une trace noire derrière assez immonde. Et je trouve que le polychromos permet vraiment d'avoir quelque chose de... Bah voilà, vous voyez, on est sur des nuances très, très... En 2 minutes, on arrive à faire un truc assez... bon là, j'ai pas fait les paupières, les cils, les machins, mais vous voyez, on arrive à avoir un truc... Voilà, par exemple, les cils, voilà, je vais venir les faire en appuyant... Je vais avoir un truc très très noir, très contrasté. Enfin, voilà, donc tout ça pour dire que les polychromos, c'est la vie. C'est la vie. Et voilà, et je vais faire des gros sourcils bien noirs pour aller avec mon œil. Voilà. Mais non, trop bien les polychromos. Moi, j'adore l'utiliser en complément de l'aquarelle. Je ne sais pas si ça se fait trop, mais j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que c'est agréable à utiliser. Je n'ai pas trouvé de meilleur crayon. À chaque fois, je les recommande. Je sais que je radote de fou. Mais voilà, je suis trop trop fan. J'en ai toujours sur moi. Même quand je pars en voyage, dans le train, ou ceci, cela, j'ai toujours sur moi. Voilà, je me suis emportée sur un œil pour vous montrer pour faire une démo de polychromos. Mais ouais, vous voyez la densité, enfin les différentes... Le noir qu'on a, il est vraiment très noir, il brille pas, il est mat, c'est canon. Voilà.
Attends, c'est quoi? Et voilà, en 2-2, un super AI, merci. Oh, elle parle, elle dessine en même temps, je sais même pas faire l'un ou l'autre. Bah, pff, moi ça va, en fait, là, c'est parce que j'ai dessiné mon œil là sans modèle, du coup, ça me demande pas de regarder l'écran, en fait, donc du coup, parler en même temps, c'est pas un souci. Mais ouais. Bah, après, ça s'apprend. Hein. D'ailleurs, je lui ai fait un œil un peu tordu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous laisse là? Ouais, je vais peut-être vous laisser là quand même, il est 18h38. Bah, alors, si vous voulez, un jour, on peut se faire un petit stream croquis, justement, que croquis, enfin croquis, dessin, avec que du crayon. Parce que moi, j'aime bien, je le fais plus depuis un moment. Alors, j'ai un peu le trac, pas le trac, mais ça fait longtemps que je fais plus de dessin juste comme ça au crayon. Et j'aimerais bien m'y remettre. Donc, si jamais ça vous intéresse aussi de voir du dessin, juste du dessin, quoi, pas de couleur, ou alors on peut faire de la couleur après au crayon de couleur, mais voilà, je peux faire des dessins que au polychromos. Hein. On se dit aujourd'hui, on dessine que en bleu et on fait quelque chose. Je sais pas, vous me dites. Moi, j'aime bien dessiner. Et effectivement, je vais, vous voyez, je vais beaucoup plus vite parce que je ne suis pas à réfléchir à l'ordre des couleurs et à réfléchir dans quel ordre je vais poser mes trucs d'aquarelle. Et j'ai pas le côté, bah, c'est un croquis et après, on passe à la couleur. Là, je fais que du dessin. Faut juste trouver un sujet. Parce que c'est que pour l'instant, les dessins que j'ai faits, c'était pas des dessins, c'était c'était que du croquis et c'était au crayon. Je vais vous montrer la différence à côté pour que vous voyez. C'est du crayon gris. Et franchement, c'est hyper décevant le crayon gris, parce que même quand j'appuie, on n'a pas un truc aussi. Celui-là, il est pas mal, mais ça brille. Là, vous ne le voyez pas. Mais ça brille, en fait. Donc, moi, voilà. Dessin polychromo, si ça vous tente, on peut faire ça. Comment elle fait un œil nickel en 2 secondes? Ouais, on dit. Le facepalm. Il me faut 3 heures pour faire un œil qui ressemble à celui d'un ovni. Oh, t'exagères. Non, non, c'est pas vrai. Marine, elle exagère. Parce que j'ai vu son dessin. Vous l'avez pas vu son dessin d'éléphant, mais moi je l'ai vu. Et il est hyper beau. Il est hyper beau. Elle a fait des traits comment on dit? Comme des. Vous savez, les traits de la peau des éléphants, en fait. Elle a fait comme des cicatrices et tout. Il est hyper détaillé. Donc je pense que tu exagères un petit peu là. On est un peu sur du drama queen, je pense. Mais bon. Mais après, on peut toujours s'améliorer. Hein. Même mon œil, il n'est pas bon, il n'est pas correct. Il est trop gros en bas. Enfin bon, on trouve toujours des trucs à améliorer. Hein, mais oui, grave. Donc ça t'intéresse. Ok, cool. Tu pourras nous donner des tips en même temps. Bah oui, si j'y pense. C'est-à-dire que moi, après, le dessin, c'est un truc assez naturel. Ça fait hyper prétentieux comme phrase. Désolée, ne le prenez pas comme ça. Mais c'est un truc que je ne pense pas forcément à aussi bien expliquer ce que je fais qu'avec l'aquarelle, que pour le coup, j'ai un peu plus appris le dessin. J'en fais vraiment depuis toujours et ça vient un peu tout seul. Mais oui, je pense que je pourrais vous donner des tips quand même, ne serait-ce qu'au niveau des. Bah, justement, le fait d'appuyer plus à certains endroits, par exemple, dans du dessin. Là. Je sais pas, vous ne le voyez pas, mais en fait, tout de suite, j'ai donné une lumière. C'est-à-dire que là, vous voyez que le côté gauche, il est plus sombre que le côté droit. Et tout de suite, on donne une idée de volume. Après, je peux vous donner des conseils sur la construction, par exemple, la construction d'un. Construire votre dessin. Par exemple, vous voulez dessiner un chat. Comment vous formez? Bah, vous faites plusieurs volumes qui vont s'emboîter et très vite vous aurez une forme. Et en fait, pour ça, il faut connaître le sujet que vous dessinez et petit à petit vous allez venir préciser les trucs. Et en fait, enfin, ça s'apprend. Et je peux vous donner le tips de comment penser en volume, parce que souvent, en fait, les gens qui apprennent à dessiner, ils vont être là, en fait. Mais moi, je dis ça il, mais je faisais pareil au début. En fait, tu dis, ah bah, j'ai un chat à faire, bah je vais faire comme ça, je vais m'appliquer, je vais faire ça. Et je vais faire ça et machin. Et en fait, là, tu es sur un contour, mais en fait, ton truc, il n'a pas de volume. Il n'a pas de. On sent pas le volume, quoi. On ne sait pas comment il est construit. Comment. Et en fait, vraiment, moi, mon tips pour apprendre à dessiner, on fera un autre. Du coup, on fera une autre session. Parce que là, je vais me lancer, ça va durer des heures. Mais en gros, c'est vraiment de penser. Bah, de penser en volume. Genre, le chat, c'est quoi? Bah, il a un crâne. Dans son crâne, il y a des trous pour les orbites. Il y a machin. Le nez qui dépasse, le ceci. Les oreilles, elles vont être implantées au-dessus des yeux et tout ça. Et comme ça, vous allez avoir quelque chose de tout de suite vachement plus construit. Et voilà, c'est comme ça, pour moi, c'est comme ça qu'on
C'est comme ça qu'on apprend en fait. Enfin, là j'ai fait un truc tout petit, mais vous voyez qu'il y a une différence entre ça et ça. C'est-à-dire que là, j'ai en quelques traits, on arrive à. Voilà, après, bien sûr, on précise les choses et on. Voilà, évidemment, mais derrière, il y a une construction. Et moi, ce que je vous conseille pour apprendre à dessiner, les tips, quoi, là, c'est de penser en volume, c'est de se dire, voilà, là, il y a l'épaule du chat. Là, il y a l'os de sa patte. Là, je vais sur l'œil, mais voilà, là, sa colonne vertébrale, elle est comme si. Là, il y aura sa cuisse. Et donc, en fait, vous dessinez que des volumes, comme ça, le torse, il est comme ci, comme ça. Et petit à petit, vous arrivez à une forme, en gros. Voilà. Alors, attends, j'ai pas lu les derniers messages parce que j'étais à fond dans mon explication. Pardon. Ah non, pas du tout, crois-moi. En même temps, je pense que tu peux te permettre d'être un peu prétentieuse pour le dessin. Ah non, je déteste la prétention. J'ai horreur de ça. Et en plus, non, moi, j'ai pas assez confiance en moi pour être prétentieuse. Mais en plus, je déteste ça. Donc, on peut être fier de soi, mais être prétentieux, je trouve que c'est jamais correct vis-à-vis des autres, je trouve. Rafa prétentieuse, je crois que ça n'arrivera jamais. Oui, non, jamais, jamais. J'ai un trop gros syndrome de l'imposteur et je n'ai pas assez confiance en moi pour être prétentieuse, vraiment. Ça, je veux bien parce que moi, c'est ça que je fais clairement des contours. Ok. Eh bien, si t'arrives à te lancer un peu dans la construction du dessin, peut-être qu'on peut se faire ça demain, si jamais vous avez envie. On peut faire ça peut-être demain. Pour que ça, je peux vous donner des tips parce que ça, j'ai eu des vrais cours. Hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est loin de là. J'ai eu des cours à l'école pour apprendre à construire des choses, à dessiner des choses. Il faut une construction. C'est vraiment le mot que tous les profs ont à la bouche, c'est construction. Et c'est ça qui prend le plus de temps. Enfin, là, j'ai fait des croquis en 2 secondes, mais voilà. Sur un dessin vraiment construit, normalement, vous n'avez pas d'erreur parce que vous l'avez construit, parce que vous l'avez pensé en volume. Et le problème, c'est que d'apprendre à dessiner d'après photo, ou apprendre à dessiner après, enfin, dessiner en fait directement les contours comme ça sur du plat, je trouve qu'on n'appréhende pas le volume, on n'appréhende pas correctement le dessin. Mais c'est pas que mon avis, hein, je ne l'invente pas, mais par exemple, tu vois, je me dis, j'ai ça sur mon bureau là, cette petite chose, et ben, moi j'ai plus de place, j'ai plus de papier, mais en gros, il y a vraiment deux teams, il y a vraiment les gens qui vont dire, ah bah. Bah voilà, je fais comme ça, après je fais comme ça, nanana, après je fais mon œil et machin. Alors qu'en vrai, quand vous construisez votre dessin, bah ça va être, voilà, un peu comme ce que j'ai fait d'ailleurs pour l'oiseau au début. Alors maintenant, moi j'ai appris à le faire, donc je le fais beaucoup moins. Je construis un peu moins parce que dans ma tête c'est plus facile, mais voilà, je vais construire un volume. Je vais dire, bah là, à peu près, il y aura son nez, là, il y aura les yeux. Mais voilà, au début, ça ressemble à rien. Là, le volume de l'oreille, je mets juste la place que ça occupe. Et après, je vais venir préciser, une fois que j'aurai en fait défini le volume, je vais venir préciser la forme. Pareil pour les yeux, une fois que j'ai situé correctement les yeux, je vais venir préciser. Mais voilà, jamais j'attaque directement par un contour. Et du coup, voilà, vous avez un truc plus. Bah, plus vivant et plus pensé en volume, quoi. Donc. Est-ce qu'il est tourné vers la gauche? Est-ce qu'il est tout droit? S'il était comme ça, j'aurais fait autrement. J'aurais fait pas. Voilà. On peut faire ça. Ça peut être un bon entraînement. À quoi ça ressemble? Ah, ça ressemble à moi qui dessine un chat. Même la tête de son chat sans contour est mieux que le mien. Oh, vous êtes dur. Tu penses lancer le live à quelle heure? Parce que j'ai toujours la notif 1 heure après. Ah zut! Ok. Demain, alors le problème c'est que demain je peux être appelée pour du travail. Le problème donc voilà, je peux pas vous garantir à 100% que je fais un live. Après, moi si j'y pense, je peux t'envoyer un petit MP, Marine, enfin un petit chuchotement plutôt, pour te dire quand je vais bientôt commencer. Il faut vraiment que je m'y mette un peu plus tôt, surtout que demain c'est mercredi donc il y a stream de mon chéri. Du coup, comment je peux faire pour vous prévenir? Comment je peux faire pour vous prévenir? J'aimerais bien le lancer vers 15h ou 15h30 demain. Donc plus tôt qu'aujourd'hui. Comme ça, je finis plus tôt. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je préviens sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter. Après, ceux qui me le signalent, peut-être que je peux penser, je note votre nom et je vous envoie un petit MP, un petit chuchotement.
Et si vraiment ça vous tente de regarder le live de demain, et on peut se faire ça. Dites-moi. En tout cas, ça me fait plaisir du coup que ça vous intéresse, parce que c'est un truc que je fais uniquement toute seule, et j'en parle pas vraiment du côté dessin, parce que c'est un peu loin aussi vis-à-vis de mes études et tout. C'est quelque chose que je prends plus trop le temps de faire en fait. Parce que aussi, je pense que quelque part dans ma tête, il y a le côté. Je serais moins satisfaite d'avoir juste un petit dessin, un petit croquis, alors que là, à l'aquarelle, j'ai quelque chose de, voilà, j'ai quelque chose d'abouti, de fini et tout ça. Mais j'ai des années de comment dire, de différents, je vais pas dire entraînements, mais des différents styles et tout ça pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui. Donc, je veux bien si ça ne te dérange pas. Ok, je note que je dois te prévenir demain. Je note, hein, parce que sinon, moi, j'oublie tout. Donc je note prévenir Marie. Et puis plus 1. Alors générique, je sais pas à quoi t'as mis plus 1, mais donc je te mets entre parenthèses. Je sais pas si tu veux que je te prévienne aussi, si jamais t'as le temps. Enfin voilà. J'ai l'impression d'avoir raconté ma vie là. J'espère que c'était pas trop chiant. Je vais ranger un petit peu mes crayons. Ah oui, il faut que je vous raconte un truc pour ceux qui étaient là hier. Tenez-vous bien, vous n'êtes pas prêts. La boîte à crayons là, avec les 12 milliards de crayons. Et bah figurez-vous que les crayons ne sont pas du tout rangés par ordre, ne sont pas classés par numéro en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 180, 12, 155. En fait, c'est pas du tout suivi. Donc j'ai galéré à retrouver les places des crayons hier. C'est devenu une trousse. De quoi? J'ai pas compris. Ah, c'est super intéressant, en tout cas, c'est cool. Ah, merci Sydney. Ouais, quel enfer, Nicrose, je suis d'accord. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait mon Dieu! Je pense que du coup, j'ai déjà flingué mon rangement de crayons, parce que j'ai pas su retrouver toutes les couleurs. Il y en a qui. Tous les verres n'étaient pas sur la même. Ça va, le chat, on te dérange pas là? Désolée pour les bruits, c'est mon chat. Pardon. Alors, j'ai Naïk, j'ai une suggestion, un dessin de Vision. Marvel, il a de belles couleurs et son design est cool. Ah, donc sur du dessin ou sur de l'aquarelle? Parce que tu dis, il a de belles couleurs. Donc, tu voudrais quelque chose au crayon de couleur. Et alors, attends, il faut que je me note aussi, parce qu'à chaque fois, je note les trucs. Si je jette la page derrière, ça va pas le faire. Dessin, donc en dessin, donc pas en aquarelle. Voilà. Noter comment elle a parlé au chat. Non mais il fait des comme ça. L'angoisse. Le chat. Tu veux pas venir? Viens. Viens voir. Viens dire bonjour. Viens là. Ouais, il en a rien à foutre. Voilà. Ouais, donc couleur, ouais, aquarelle, comme tu veux. Je sais pas, lol, ce que tu trouves cool. Ouais. Je ferai pas ça demain, par contre, parce que je le note, hein, mais je ferai pas ça demain, parce que si on part du principe que demain on est plus dessin, dessin, construction, il vaut mieux que je prenne quelque chose de un être vivant, comment dire, existant en volume. Je pense qu'on peut prendre un félin ou un chien. Enfin voilà, je pense que c'est mieux pour apprendre, mais je me le note en tout cas. Merci Jenaïque pour la suggestion. Voilà, ça fait plein de, ouais, ça fait plein de bonnes idées de trucs à mettre en place. La partie dessin, la partie tuto, j'oublie pas tout ça. Et derrière, moi aussi, bosser les petits emojis, parce que voilà, il faut quand même que les subs soient récompensés. Pour l'instant, les pauvres, ils sont là, mais ils n'ont pas d'emojis. Bon, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui ont sub, ça me fait hyper plaisir. Et même ceux qui follow, enfin voilà, je suis contente d'avoir des gens avec qui discuter et tout, c'est chouette. Du coup, voilà, bah, je pense que j'avais. Oh, merci, Muse! Oh, merci pour tes cheers! Merci, merci, c'est trop adorable! Merci beaucoup, beaucoup! Le sub, c'est pour te soutenir plus que pour les emotes. Oh, mais bah, c'est gentil! Non, mais quand même, on va faire des emotes. Et donc, je pense que emote dinosaure, je pense que ça peut être sympa. Si on part du même esprit que le petit dino qui fait de la trottinette quand vous avez sub, justement. Le petit dino, là, j'aime bien. Celui-là, je l'ai trouvé, hein. Je ne l'ai pas fait, mais j'aime bien l'univers. Oh, j'avais pas vu, Muse, que tu avais un message avec tes cheers. Coucou, je viens d'arriver. Retour à l'aquarelle ou encore au crayon. Très beau toucan au passage. Eh bien, figure-toi que ce n'est pas un toucan, c'est un macareux.
Si tu connais pas, tu peux faire une petite recherche. Mais c'est et du coup c'est aquarelle, aquarelle, aquarelle à fond, parce que pas le bon papier pour les crayons de couleur. Pas comme je disais hier sur le Stitch, j'avais un papier, vous voyez, il est très très grammé et en fait c'était pas hyper pratique pour. Pardon, je le plie un peu pour qu'il revienne droit. J'ai eu un doute avec le bec. Ouais, en fait, le toucan, il a un bec beaucoup plus comme ça, beaucoup plus long. Je sais pas si tu vois par rapport à sa tête, il a un bec vraiment très très long. Et je pense que du coup, voilà, c'est ça la différence. On a fait plein de petits gribouillis aujourd'hui et donc on a dit que on allait sûrement faire une session demain peut-être. Surtout que je manquais un peu d'idées, donc c'est pas plus mal. Une session dessin, dessin de construction. Mais ça suffit le chat! Je crois que ça veut dire qu'il faut que j'arrête et que j'aille lui donner à manger. Voilà, du coup, ça m'intéresse vachement, vachement de faire du dessin avec vous demain. Je suis hyper contente. J'ai pas fait ça depuis hyper longtemps, donc j'espère ne pas être trop rouillée. Mais ça me fait super plaisir que ça vous intéresse. Ça me fait sortir un petit peu de l'aquarelle et faire d'autres trucs. Du coup, ce que vous pouvez faire pour demain, ceux qui veulent être là pour le dessin, c'est me noter des petites idées de. Des petites idées de. Je pense qu'on va plutôt partir sur des animaux. Après, je pourrais vous montrer comment faire une bouteille, une tasse et tout. Mais j'avoue, c'est pas ce que je préfère, hein, clairement. C'est pas ce en plus au quoi je suis la meilleure, sur quoi je suis la meilleure. Mais moi, je suis plus animaux. Donc, si tu es rouillée, on va ramener de l'huile. Ah, oh, comme dans Le Magicien d'Oz. Du coup, voilà. Dites-moi si vous avez des petites idées de bestioles. Hein. Pas 12 000, mais voilà, si on fait un stream de 2 heures. On peut se faire, je sais pas, on peut choisir, je pense, 4-5 animaux et on les construit, quoi. Quand je dis on les construit, hein, c'est on les pense en volume, comme là j'ai fait. Et on essaie de trouver des tips un peu pour améliorer la construction et après aussi de contraster, d'arriver à contraster juste avec le crayon. Raton laveur comme sur ton overlay trop chou. Ah ouais, Justinia, je l'adore celui-là. J'avoue que j'étais assez fière de son expression. Je l'aime beaucoup. Un oiseau type rapace. Ah bah on en a fait un. Il y a plus dur les oiseaux à construire pour moi. Mais on peut, oui. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des recherches sur les squelettes. Parce que si vraiment je veux faire les choses bien, il faut avoir le squelette. Une idée du squelette, quoi. Vous avez saisi l'idée. Pandarou, ouais, Pandarou, j'en ai fait un. Muse, si t'es pas encore allé voir mon Instagram, Raph Aquarelle, il y a un Pandarou, à l'aquarelle que j'ai fait il y a 3 ou 4 mois, je crois, donc ça devrait pas être trop trop loin à scroller. Un flamant rose, oh, j'en ai fait un aussi, un flamant rose. Plus dur à construire aussi parce que tout ce qui est un peu atypique avec les grands coups, les girafes et tout. Idéalement, il faut savoir combien il y a de vertèbres et pour vraiment pas se tromper sur l'échelle et tout, mais bon. Mais on peut. Je note. Je note, je note. Donc. Mon Pandarou, on a quand même 3 votes sur Pandarou, hein. Ouais. Oh là, 4 votes, pardon, j'avais pas vu. Pandarou, donc on va se noter Pandarou. Surtout que. J'ai jamais regardé le squelette d'un pandarou. Alors attention, pour avoir des textures différentes, tu parles des textures en aquarelle ou en dessin? Bah, tout le monde vote pandarou là. Ok, bah regardez, pandarou. Un pandarou pirate avec un chapeau et un crochet. Ouais, mais alors là, du coup, on est plus dans un truc. On peut le faire, hein, mais ce sera du coup un vrai dessin abouti. On ne sera pas juste sur de la construction. Enfin, je veux dire, on sera pas juste sur la construction de l'animal, mais on peut le faire, ça peut être rigolo. Ça veut dire qu'on apprend à construire un chapeau, on apprend à construire l'animal, et on apprend à construire aussi un crochet. Avec sûrement, du coup, des reflets et tout, mais c'est pas évident, parce qu'après, il faut trouver une posture. Si tu veux, là, tu es sur un truc imaginaire. C'est-à-dire qu'un pandarou avec un chapeau et un crochet, il ne pourra pas avoir sa posture naturelle. Du coup, ça va être. On va sortir un peu du cadre construction. Ah, d'accord. Oups, je parle aquarelle surtout, mais surtout dessin croquis, je sais pas. Ok, d'accord. Ok, ouais, non, on parlait de. En fait, là, je parlais d'idées, de juste d'animaux.
donc dans leur posture naturelle, simple, pour apprendre à construire des animaux en volume. Voilà. J'ai été hyper bavarde, j'ai tellement parlé que j'ai soif. C'est grave. Je vais éteindre le cookie. Voilà. Du coup, je pense que ouais, on va commencer Pandarou. Mais il faut commencer par des trucs simples. Parce que si l'idée, c'est de que vous puissiez faire aussi chez vous et tout, voilà, on va pas trop s'embarquer dans des trucs compliqués. Si c'est un petit cours, pas un cours, parce que je ne suis pas prof, mais voilà, vous donner mes tips en tout cas de comment moi je fais, comment j'ai appris et comment je m'aide aussi à me repérer pour faire mes dessins. Voilà, mais sur ce, il est 19h. Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter là, si ça vous va. Et du coup, demain, je vais essayer d'être réglo sur mon horaire, sauf si je suis appelée par le travail, auquel cas je posterai un petit message sur Instagram et Twitter. Mais mon Twitter, je ne l'ai pas mis en bio, mais c'est le même nom que ma chaîne, c'est Raphaël Avani. Voilà, du coup, demain, j'aimerais bien vers, je pense, 15h, 15h30. Il faut vraiment que j'arrive à respecter cet horaire-là, parce que finalement, ce sera plus pratique, même pour le chéri qui fait son stream après. Voilà, bah, les amis, sur ce, je vais vous laisser, sauf si vous avez d'autres questions, mais on a fait quoi? On a fait 2h20. Ça va, c'était honnête. puis tu vois, je vais aller faire à dîner, du coup. Voilà. Oh, on n'a plus de musique, les gars. Je suis désolée, j'avais pas fait gaffe. Il y a le chat qui chante à la place. Voilà. Bah, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et merci encore d'être passée. Ah, bah, Cerise Camille. Cerise Camille est ma sœur. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue ici, parce que je crois que c'est la première fois qu'elle vient en direct. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à demain, du coup. Des bisous!